Salut bande de lascar, bienvenue sur la chaîne Master Geek. Aujourd'hui c'est le podcast numéro 4. Je suis en compagnie de mes acolytes Ringo. Salut. Yomi. Oui. Et Koma. Moi-même. Présentement, toi. Présentement, moi-même. Aujourd'hui on a Batman VR. Batman VR pour ma part. Pour Ringo. Batman Telltale Series pour ma part. Hitman pour moi. Et un petit bilan de FIFA 17 à la mienne. Un petit bilan de FIFA 17. On fait que des bilans sur FIFA. Très bien, et donc voilà. Donc on va peut-être faire aussi un petit point sur Overwatch à la fin. Ouais, mais ça c'est la petite surprise, je vous la dis. Donc c'est trop tard. C'est plus une surprise. Et un petit point sur la Switch aussi, peut-être. Ouais, c'est un peu l'événement du début. Voilà, très bien. Donc je vais me lancer moi sur Hitman direct du coup. Allez, vas-y. Fais ce que tu veux, tu gères ton podcast comme tu en as envie. Parce que c'est un peu toi la célébrité des vidéos Master Geek. Donc, je touche dans le game, monsieur. Si voilà, je suis dans le top 50 sur Gameblog. De toute façon, j'espère qu'on aura autant de vues sur cette vidéo là. Putain, Charlie et Lulu la semaine prochaine. Hit Machine. Donc Hitman, qui est développé édité par IO Interactive et Square Enix, est sorti le 11 mars 2017 en modèle épisodique. Il sort du coup en modèle boîte le 31 janvier 2016. Et puis voilà, déjà, c'est le sixième volet de la saga. Ok. Sixième volet déjà. Donc on s'est connu. Ouais. Puis c'est le seul volet qui était disponible surtout sur PS4. Là en ce moment il y a les remasterisations, je crois, des anciens. Enfin, c'est pas vraiment une remasterisation. Lui non, les autres. Ah, les autres ouais. Ah, je sais pas, j'ai même pas regardé. Je crois qu'ils ont remis les autres, style Coup de Monnaie, si on t'a De toute façon, il y a du blé à se faire sur les remasterisations, donc il n'y a qu'à voir avec Resident Evil 7. Après, je crois pas que c'est une remasterisation, c'est juste un rétrocompatibilité. Enfin, bref. Du coup, le 11 mars, il y avait deux packs disponibles. Donc, vous avez le pack prologue avec du coup, les missions d'entraînement, plus la mission de Paris, qui était proposée à 15€, je crois. Vous avez le deuxième pack qui était, du coup, c'était le pack complet. Qui est à peu près à 50€, avec du coup toutes les missions qui vont sortir au fur et à mesure de l'année, parce que du coup, comme je vous ai dit, c'est un modèle épisodique, donc vous aviez toute une mission tous les deux mois, je crois. Donc ça, c'était vachement critiqué par vous quand il rigole. Non, je sais pas, c'est l'autre qui se marre derrière. Et moi, quand il faut être sérieux, j'arrive pas à rester. Du coup, voilà, c'était un modèle épisodique. Tous les deux mois, vous aviez une mission, donc ça, c'était vachement critiqué par les joueurs, ce qui est normal en même temps. Quand tu payes un jeu à 50 balles, 60 balles, je crois. Donc ça, en même temps, après, vu le contenu qu'ils ont mis dedans, parce que là, du coup, dans ce jeu-là, vous aviez énormément de contenu. Dans chaque situation, donc dans les missions, vous aviez la possibilité de niquer votre cible comme vous voulez, que ça soit par accident avec un chandelier qui lui tombe sur la gueule, en le noyant, en le butant avec une bastose et tout, enfin bref. Voilà, donc sur ce jeu, c'est plus au niveau du contenu. Moi, c'est vrai qu'au moment où il a été annoncé en épisodique, ça m'a fait chier. Hein. Hitman en épisodique, c'est mal passé, quoi. C'est normal. Ouais. Enfin, pour moi, Hitman, je le voyais plus comme un jeu en total. Ça aurait été intéressant qu'il le fasse. Et là, en épisodique, bah là, tu vois, je me suis pas laissé tenter. Et là, je m'étais dit, bon, j'attendrai que tous les épisodes soient sortis. Non, mais c'est normal. Bah là, on est un an après. Et pour moi, j'ai plus envie de le faire. Bah après, oui, moi je suis d'accord. Business model était peut-être... Après, d'un côté, ça leur a permis aussi de lancer des, comme je disais, des niveaux de qualité, parce que bah, graphiquement, ils sont très beaux. Oui. Ils sont très riches en contenu. Enfin, t'as pas de bug. Ah, mais du coup, ils sont pauvres en histoire, quoi. Voilà. Par contre, le point noir là-dessus, c'est l'histoire qui est complètement pas anecdotique, mais qui a rien, quoi. Oui. Vous avez une cinématique avant et après l'émission, mais tu sais que dalle. Tu sais juste que c'est un groupe de personnes des méchants, entre guillemets. Ouais. C'est juste que c'est ça. Après, je vais pas vous spoiler parce que tu sais vraiment rien. Donc, non, sur le solo, il est vraiment faible. Après, bon, du coup, là, il prévoit de faire une saison 2, je pense, dans le même principe pour l'année prochaine. Ouais. Peut-être fin d'année, on verra. Peut-être à l'E3, il y aura quelque chose. Donc, là-dessus, je sais pas trop. Et tu payes à chaque fois, du coup? Non, bah, du coup, c'est soit tu prends le pack ou soit tu payes juste la mission. En fait, t'as possibilité de juste payer une mission. Ouais, un peu comme le Telltale. Ouais, c'est ça. T'as juste possibilité de faire une mission. Donc, d'un côté, c'est sympa, mais de l'autre, du coup, ouais, c'est vrai que si t'as envie d'avoir le jeu et de le poncer après, comme ça. Après, peut-être que d'ici un petit moment, quand ils auront fini les épisodes, peut-être qu'ils feront une édition, un pack de luxe avec tout ce qui récap dedans, tu vois. Ouais. Ouais, mais tu vois, le temps, il sera passé. Voilà, c'est ça. Le temps, en fait, c'est que si tu surfes pas sur la vague du moment de la sortie en disant voilà, j'ai un nouveau jeu à proposer, et si t'arrives en fait un an et demi plus tard avec la totalité du jeu. Enfin, ça fait. Bah, après, il y a un moment où c'est chaud, ça tombe, quoi. Mais ça leur a permis aussi de sortir du contenu au fur et à mesure, parce que là, du coup, au début, vous aviez juste les premières missions, mais après, ils ont rajouté les contrats cibles fugitives. Ouais. En fait, c'est une mission qui est proposée. Bah, du coup, ils te préparent en disant que dans deux jours, il y a une mission qui va arriver. Vous avez qu'une seule chance pour niquer la cible, et t'as un délai pour la niquer. Donc, ils ont permis de sortir ça au fur et à mesure. Ils ont sorti aussi, tu pouvais créer un contrat.
Donc tu te balades dans la map que tu veux, tu choisis une cible, tu peux la niquer et du coup tu publies ton contrat. Donc ça permet aux autres joueurs aussi de faire un score dessus. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait aussi les contrats escalade. Donc tu as 5 niveaux dans ce contrat en fait. Ils vont, au début ils vont te dire bah là tu niques la cible comme tu veux. Après ils vont t'obliger à la tuer d'une certaine façon. Après ils vont t'obliger de déguiser d'une certaine façon. Et au fur et à mesure tu vois, faut que tu montes le niveau pour arriver au niveau 5 et finir le contrat. Au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de contenu, tu vois. Là, ils ont sorti aussi... Une mission, ça dure à peu près combien de temps? Chaque épisode, ça dure... Si tu veux la saigner, la mission, mais c'est très long, parce que tu dois avoir une centaine de défis par mission. C'est un jeu qui est beaucoup sur la rejouabilité du niveau. Voilà. Tu resaignes ton niveau, tu recommences et tu refais... Ça me saoule, ce genre de truc. Moi, j'aime bien, tu vois. Ça m'écœurait au bout d'un moment. C'est vrai que c'est lassant, mais tu vois, ils ont quand même sorti du contenu à côté. Donc, c'est vrai que d'un côté, ouais, c'est mais est-ce qu'entre les épisodes, tu notes une véritable différence? Je veux dire, est-ce qu'ils reprennent pas la sauce à chaque fois? T'as beaucoup de répétitions au niveau des assassinats. Mais après, c'est des mondes qui sont complètement différents. Tu passes de Paris à Marrakech en allant au Japon dans un centre de médecins ou je sais pas trop quoi. Enfin, t'as le Colorado dans une ferme. Au niveau des formats de map, tu vois, ils sont complètement différents. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, l'IA est d'un côté, l'IA par contre. Ce que tu m'avais montré, c'était un peu mou. L'IA est vachement mou, quoi. Et un peu à l'ouest des fois. Donc, ça, c'est leur point noir aussi. Et c'est dommage parce que en fait ils font un jeu en épisodique et au final tu dis ça c'est pas pour moi quand tu fais un jeu en épisodique comme ça je te laisse pas la possibilité de trop te foirer quoi. Le format épisodique il est casse-gueule et en même temps parce qu'en fait il intervient dans plusieurs aspects, ça veut dire que t'as l'aspect temporalité. Donc si tu sais pas tous les combien sortent les épisodes, c'est chiant parce que pour le consommateur il sait pas, il y a pas de repère en fait, il sait pas trop donc c'est un peu casse-gueule. Après t'as l'effet de te dire entre chaque épisode peut-être que j'ai un peu oublié où est-ce que j'en étais, c'est ça en fait, c'est ça qui était un peu chiant, le temps de te remettre dans ta façon de jouer, te remettre au gameplay. C'est un peu casse-gueule l'épisodique et ça convient pas à tout le monde. Tel s'en tire très bien et encore que c'est là aussi c'est très chiant pour eux parce qu'ils sont tournés très histoire donc il suffit qu'ils soient passés 2 mois et demi entre chaque épisode. C'est ça qui est un peu si rouge. Tu te rappelles plus, c'est un peu casse-gueule. Tu fais d'autres choses à un moment, le jeu vidéo, tu fais plein d'autres jeux. C'est le genre de jeu là, c'est des jeux que j'aime bien prendre à la fin une fois qu'ils sont terminés. Je suis d'accord. Parce que je supporte pas attendre entre chaque épisode. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je vous parle d'autre? Donc les niveaux en fait, dans chaque niveau du coup avec les défis vous gagnez de l'XP qui vous permettra de monter un niveau de maîtrise, le niveau max je crois c'est 20 et au fur et à mesure du niveau en fait vous allez débloquer par exemple dans les maps des spawns, tu vas pouvoir me cacher des armes, tu vas pouvoir débloquer des armes en plus qui permettront ensuite dans les autres niveaux d'utiliser ces mêmes armes et de faire des assassinats différents, donc ça c'est sympa. Qu'est-ce que tu as d'autre d'intéressant dans ce Hitman? Là, pour le coup, ils ont sorti pas mal de bonus au niveau des missions. Ils ont remodelé leur map. Par exemple, pour Noël, je sais qu'ils avaient fait une mission spéciale Muriel, du coup, avec les deux. Ouais, avec le Père Noël. T'avais un Père Noël qui se baladait, tu pouvais te déguiser en lui. Bon, ça, c'est un petit touche. Mais surtout, au niveau des deux cibles, où c'était les deux mecs qui ont fait le film Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui, c'est les deux types là. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas dans ton article, ça? C'est dans mon article. Ça, c'est dans ton article, qui est disponible où? Sur Facebook et Gameblog. Tout à fait. Voilà. Donc, il y avait ça, il y avait aussi une autre mission bonus où ils avaient fait un tournage, pendant un tournage de film sur un peu la comics avec un genre d'Iron Man, c'était la série. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant qu'ils fassent des bonus comme ça, en plus c'est complètement gratuit, donc ça c'est un petit ajout qui fait plaisir. Puis ça te met des défis en plus, c'est sympa. Qu'est-ce que t'as d'autre? Je crois que j'ai fait le tour, cible fugitif, contrat, voilà. Donc c'est pas un jeu qui joue en multi, c'est un jeu uniquement solo? Uniquement solo. D'accord. Okay. Le seul multi que t'as, c'est de proposer de contrats et de faire publier tes contrats. Et en fait, t'as un classement par contre par mission où si t'arrives à faire la cible, à niquer ta cible sans être repéré, juste en te mettant en tenue normale, t'auras plus de points en cachant tous les corps et tout, tu vois. Et en fait, tu débloques, et puis ça permet de te classer après mondialement, mais bon, ça, on s'en fout un peu, quoi. Personnellement, je m'en prends. Ça donne pas trop envie d'y jouer. Si t'es fan de Hitman, franchement, il est intéressant. Mais par contre, c'est pas comme dans les autres Hitman où ça sera une histoire que tu suis. Après, je pense que tu vois, c'est plus un jeu d'entraînement pour la prochaine saison, tu vois. Là, cette saison-là, je pense que la saison d'après, elle sera beaucoup plus axée sur l'histoire, tu vois. Là, je pense que c'est juste un peu. Enfin, pour moi, ça me paraît plus être un jeu de prendre le jeu en main au niveau des assassinats, quand même avoir beaucoup de contenu. Mais
Bah, j'attends la saison 2 avec impatience, je vais voir ce qu'ils en font. C'est elle est prévue pour quand la saison 2, tu sais, non pas, ouais, ils ont pas encore communiqué dessus. Ouais. Peut-être à l'E3, on aura peut-être des nouvelles, je sais pas. Peut-être même avant, tu me diras. Ouais, peut-être même avant. Hein, généralement, ouais. C'est peut-être d'une année sur l'autre, il est sorti en mars le tien, non? Ouais. Et là, ils sont en boîte. Et là, ils sont en boîte 31. Le 31. Mmh. Ouais, s'ils vont peut-être communiquer au moment de la sortie du jeu en boîte. Ouais, sûrement, ouais. Après, il est quand même bien suivi ce jeu, parce que du coup, c'est vrai que je pense à ça, mais t'as quand même là, il te rajoute encore du contenu alors que le jeu est complètement fini au niveau du truc. De toute façon, t'as Square Enix, c'est là qui est réellement dans cette volonté de découper les grandes licences, hein, parce que Hitman, je sais que pour FF7 Remake, ils vont faire la même chose, ce sera de l'épisodique. Ouais. Moi j'aime bien, tu vois, ça me choque pas. Bah, moi je suis pas fan. Hein. Moi je considère qu'au moment où je claque mes 70 boules, c'est pour l'expérience en entière, quoi. C'est pas pour devoir attendre entre chaque épisode, quoi. Ouais, c'est sûr. J'aime pas. C'est du pour 70€, quoi. C'est après, pour des trucs à des expériences à 30 balles, ça me gêne moins. Oui. Et encore que ça me gêne. Mais ouais, c'est un format qui est différent, c'est un format qui arrive de plus en plus. Alors, c'est pour ça que c'est aussi chiant, en fait, où en fait il y a beaucoup de gens qui aiment pas et d'autres qui aiment bien, parce qu'en fait aujourd'hui tu as la comparaison entre les jeux qui sont fournis en intégralité et ceux qui adorent, bah forcément ils sont opposés à l'épisodique et tu as ceux qui aiment l'épisodique. Après c'est personnel, c'est aussi un avis personnel. Ouais. Après faut c'est pour ça qu'au final Hitman on n'a pas tant entendu parler que ça, parce que c'est vrai que il a jamais atteint les top charts, quoi. Et Hitman en vrai c'est une bonne licence, il y a une fan zone qui est quand même très présente. Après c'est vrai que c'est un jeu qui est très médiatisé en soi. C'est pas comme Halo ou c'est pas comme The Last of Us ou Final Fantasy. Ouais. Voilà, je veux dire, c'est des licences qui sont médiatisées à fond. Ouais. Et ouais, mais tu vois, regarde, quand tu vois qu'un FF7 remake va arriver en épisodique, ça veut dire qu'ils attaquent aussi sur les grosses licences derrière. Ouais, mais malgré tout, il sera mieux médiatisé parce que derrière, t'as une fan zone qui est peut-être plus importante. Je sais pas. Moi, Hitman, j'en ai pas. Enfin, depuis j'en ai pas entendu parler, quoi. Là, très peu, quoi. Et ouais, il me tente pas, honnêtement, il me tente pas plus que ça, quoi. Alors après, on me le prêterait, je pense que je le ferais. Ouais, c'est sûr. Peut-être que j'aurais beaucoup de plaisir à y jouer. Mais pas sûr. Ouais. Pas sûr. Il y a Dragon Ball. Non, je suis pas moi, il y a Dragon Ball à côté. Ça me tente pas. Ça te tente pas plus que ça. Ça me tente pas plus que ça. Moi, j'ai bien aimé après. C'était pas mon jeu préféré, mais j'ai pris plaisir à y jouer, à faire les défis, tout. C'était intéressant. Donc voilà. Donc ouais, tu donnes les notes ou l'avis du conseil de classe des Master Geeks? Ouais. Je mettrai un petit 16 sur 20, tu vois. Ah oui, quand même. Ouais. Bah, un peu dissipé, mais bon. Ouais. Encouragement du public. Encouragement du public. La saison 2. Ouais, ça, au niveau de l'histoire, j'étais déçu, tu vois. Donc c'est vrai que. Parce qu'il reste à faire des efforts. Elle doit faire des efforts. Ah, je mettrais peut-être pas les encouragements. 16, c'est bien payé, du coup. Ouais, c'est bien payé. Parce qu'à côté, il y a du contenu à balle, enfin, il est quand même très bien suivi. Les missions sont fatales, même si c'est une histoire. Bah, parce que c'est le jeu de l'année, comme tu nous le fais à chaque fois. C'est le jeu de l'année. Entre guillemets, c'est son pendant, c'est son modèle épisodique et puis c'est son histoire, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que l'IA est. God Simulator, il y a du contenu, c'est pas pour autant qu'il mérite ça sur moi. Graphiquement, c'est pas du tout la même délire. Moi, j'avais bien aimé God Simulator. Moi, je me suis marré. Graphiquement, c'était très très joli. Et puis scénaristiquement, quoi. Oui, si vous voulez voir la vidéo God Simulator, elle est sur la chaîne Master Geek YouTube. Il y a aussi la session God Simulator de nous quatre. C'est les jeux d'Obé de Comar. C'est Comar. Comar, c'est notre pro jeu d'Obé. C'est notre porteur. Il y a un paquet en palette. Il y a un paquet. Et a priori, il est novice comme ça, quoi. Donc, il y a un petit 16. Ouais, un petit 16. Bon, un bon 16 même. Ouais, c'est ouais, peu, c'est bien payé, hein. Tu t'en sors bien. Hein. Ouais, t'as de la chance, mon pote. Parce que moi, je t'aurais peut-être pas noté autant. Ah, moi, je t'aurais mis un 12, mon gars, dans les familles. C'est vrai. Un bon 12 des familles, là. Mmh. Moi, je sanctionne l'épisodique. Ouais. Non, moi, je vais revenir après. 14 ou 13. Au fait, d'ailleurs, est-ce que tu savais à chaque fois combien de temps allait se passer entre chaque épisode que tu allais avoir sur Twitter et tout comme ça. Ouais, donc c'était pas, par exemple, à la fin de l'épisode, on ne dit pas la suite arrivera le 14 mars ou. Non, ouais, c'est communiqué par le biais des réseaux sociaux. Ouais. C'est un peu dommage. C'est pas, il y a pas de rendez-vous fixe et je pense que le consommateur il a besoin d'un rendez-vous fixe pour au moins. Ah, j'avais un peu oublié. Hein, c'est bon. Ça fait ça d'un côté, se préparer, faire un peu de place sur la console. Bah, sachant qu'il y a d'autres jeux comme des jeux Titanfall et tout, c'est vrai que tu l'oublies au final. Et, c'est ça. Bah, et je suis revenu pendant l'été, je crois. Il y avait déjà deux missions qui étaient revenues et j'avais pas fait. T'avais zappé quoi. Après, ça le côté bonne surprise aussi. Ah, tiens, merde, génial, j'ai deux épisodes à faire. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Donc voilà. Ok. Super. Tu te lances sur ton Batman? Non, du tout. Non, après c'est Monsieur Comar qui nous fait un petit débrief. Voilà. Donc le petit débrief à mi-année de FIFA 17. Ouais.
Donc FIFA 17, hein, de toute façon c'est une licence qu'on va te présenter, ça ne sert à rien. C'est le jeu, je sais pas combien. C'est le jeu au moins 17, simulation. C'est au moins le 17ème. 17, ça veut dire l'année. Ah. Non, je préfère prévenir. Ouais. Voilà, quand on était en 95, c'était pas... c'était pas jeu, je comprends pas. Non. Bref, c'est la simulation par excellence dans tous les cas du jeu de football. La simulation de football, donc en concurrence avec PES, qui est pour moi fini depuis quelques années et qui peine à ouais, parce qu'ils avaient essayé de faire un retour l'an dernier. Ouais. Bon, ils essayent des retours depuis X années. Avant, il faut savoir qu'avant, je jouais à PES, hein, c'était ma licence préférée. Au final, FIFA récupère la grosse part du gâteau. Et cette année notamment par la mise en place donc du système Frostbite. Frostbite. Il y a un peu trop de bits dans nos podcasts. On franchit. Il y avait un petit frisbee, tu vois. Et après il y a eu le mot bit qui est arrivé. voilà, gelé, tout ça. Frostbite, voilà. C'est ça, tu le tiens des dirigeants de chez FIFA. Ils me l'ont dit. Peut-être un article fake news. C'était. Bref, cette année, c'est une belle licence, des super graphismes, du contenu avec l'arrivée du mode histoire. C'est tout nouveau mode. D'ailleurs, c'est tout nouveau mode histoire qui était tout nouveau, bien ou... Il est sympa en restant objectif sur le fait que c'est une première mouture du. C'est la première version et c'est sûr que c'est pas tu t'attends pas à voir quelque chose d'énorme. D'accord. Ouais. Faut se dire que c'est le premier coup, ok, ça va leur permettre de retravailler un petit peu le système et j'imagine que d'ici 2, 3 ans, 4 ans peut-être on arrivera. Est-ce que c'est pas aussi le côté un peu parce que c'est FIFA malgré tout, c'est pour beaucoup de personnes, après il y a une grosse fan zone, mais moi par exemple je suis pas forcément accroché à ça et je me dis mais à quoi sert FIFA tous les ans quoi. Enfin, est-ce qu'il y a véritablement un ajout? Alors quand je vois le mode campagne arriver, je me dis, voilà, c'est clairement pour dire, c'est un véritable ajout. Et pour ajouter quelque chose, un truc en plus. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je suis pas un fan de FIFA, hein, je suis pas un fan de football de façon générale. Donc à chaque fois, quand je vois ça de l'extérieur, je me dis, mais est-ce qu'il y a véritablement un ajout monstre? Alors en général, on nous dit non, c'est pas monstrueux, mais il y a quand même un ajout. Il faut la nouvelle version. Ils ont réussi à mettre en place quelque chose qui fait que moi, honnêtement, je l'achète tous les ans. Ouais. Et j'ai envie de jouer à la dernière version au jour où il sort. T'as quand même de l'ajout. Il y a de l'ajout, et puis de toute façon, t'as les transferts, rien qu'avec ça. Je suis d'accord avec toi, honnêtement. Celui qui n'est pas fan de foot. Ouais. S'il aime jouer au jeu de foot une fois de temps en temps, il prend suite 2015, il verra que du feu. Ouais. Voilà, 17. Ouais, c'est... Bon, après, tu vois, moi je me dis que ce jeu-là, FIFA, ça pourrait clairement t'achètes genre une première mouture et puis après t'as une putain de mise à jour qui arrive derrière que tu payes 30 balles quoi. Ça ouais. pourrait être ça. Ouais, mais du coup, il serait 30 balles en moins. 40 balles à chaque fois en moins. Sachant que ça marche. Bah ouais. Quand je vois ça, je me dis bah là peut-être que ce FIFA 17 vaut peut-être plus le coup de se dire bah je me l'achète parce que la campagne solo en plus quoi. Ouais, après ça. C'est on verra je pense dans quelques années. Ouais. Pour l'instant, c'est pas l'ajout, c'est pas le plus périlleux. C'est quand même un truc autour. Hein. Je crois que c'était à l'E3 aussi qu'ils nous avaient balancé. Ouais. Non, c'était pas l'E3. C'était à l'E3 quand on était chez toi là. Ah, c'était à l'E3. Ils avaient balancé quoi? Bah, quand ils avaient montré. C'était pas pour IE là? Avec Battlefield 1 et tout? Ouais, c'était à l'E3 ça. C'est quand ils étaient en. Bah oui, avec. Ils étaient partis à Londres. C'était la Gamescom, les gars. Ah ouais, c'était la Gamescom, ouais. C'était la Gamescom avec. Ouais, c'est ça. Avec les gameplays de Battlefield 1 et tout là. Ils avaient balancé quand même pas mal de. Donc top, ces petites nouveautés. Après, au niveau gameplay, comme tous les ans, ça change. Faut le temps de se réhabituer. C'est pour ça que. Voilà, je voulais faire ce petit récapitulatif à mi-année. Je trouve qu'il est très bon, ça a changé positivement, il y a quelques points noirs, mais comme on se dit chaque année, super, en 2018 il va être top. Bon, on va voir s'ils prennent en compte les petits griefs des fans de la licence. Par contre j'avais vraiment un gros coup de gueule, je me suis fait avoir en prenant la version de luxe, une version de luxe à 90€. 99, presque 100 balles. C'est voilà, ça, presque 100 balles. Hein, 10% de rabais en tant que joueur assidu.
C'est un petit rabais, hein. C'est un minuscule rabais. 10%. 10 balles. Et donc, avec cette belle version, on a le droit à pas grand-chose, en fait. Hein. On a le droit à des packs de cartes toutes les semaines. Donc, tous les lundis, tu peux découvrir deux packs de cartes pour jouer à FIFA Ultimate Team. Et un petit pack de cartes avec des joueurs de prêt que tu peux utiliser pendant 3 matchs en ligne. Donc ça, c'est sympa. Par contre, sur les deux packs cadeaux, mais c'est pourri. J'ai vraiment, pour du coup, 40€, 50€ de plus que le jeu de base. Et j'ai rien du tout. Enfin, ça vaut pas 50€, clairement. Ouais, t'as l'impression d'être fait arnaquer. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir déballé pour 3€ de, pour 3€ de jeu de cartes. Quoi. Ouais. Et ça, c'est clairement, c'est, bon, ça. C'est clairement une arnaque. C'est la première année où je me dis tiens, je vais prendre ce pack là parce qu'effectivement le mode FIFA Ultimate Team je le ponce. Et c'est la première année où je me dis mais ces cartes c'est pourri quoi. C'est horrible. Si j'avais pas eu ce truc là, bah, ça aurait été très bien. Éventuellement j'aurais pu prendre 50€ de jetons de jeu et déballer des, ouais, déballer des cartes à côté, en une seule fois par exemple. Et pour un peu, j'aurais eu en une seule fois bah, un super joueur, deux super joueurs. Tandis que là, j'ai de la Ligue 2. Quoi. Ouais. Donc, ah, c'est les boules. Ouais, ouais donc, c'est un peu la carte pour noir, ce prix-là. Carton, ouais, ouais, la carton noir. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment pas encourager les fans de la série comme je le suis, où je suis sûr d'acheter franchement le jeu l'année prochaine, l'année d'après, l'année encore d'après. Mais pour le coup, dis, mais si le contenu avait été sympa. Moi, tous les ans, j'aurais pris la version à 100 balles, y est, sans problème. Quoi. Bah là, non. Après, il y l'an prochain, il n'y a pas de lâcher ses 100 balles. Quoi. C'est fini. Après, c'est vrai que c'est dégueulasse, parce que quand tu payes un genre de luxe, t'as intérêt à avoir un sacré contenu en plus, parce qu'il y a quand même une grosse différence. Déjà, 70€, un jeu, c'est déjà pas donné. Mais quand tu prends une version de luxe à presque 100 balles, hein, t'as pas de figurine, t'as rien d'autre, hein, t'as juste des ajouts additionnels dedans. Donc déjà, c'est qu'on va y arriver. Ouais, ça fait un moment qu'on est à 70 balles le jeu, et je pense qu'on va pas tarder à passer aux 80 balles. Hein. Bah, après, je pense. Je suis sûr que si, moi. Après, malgré tout, faut savoir que derrière. Plus ça va aller, et plus en fait, c'est con, hein, mais je suis sûr que les éditions de base, elles seront plus proposées en magasin. Les éditions à 70 balles. T'auras que l'édition de luxe si tu veux acheter la version physique, mais t'auras plus l'édition de base et ce sera que du téléchargement pour avoir les éditions de base. Ouais, je pense pas. Hein, mais après, moi, plus en plus arriver comme ça. Ce que je souhaite au jeu, tu sais, comme ça, pour pas avoir cette augmentation, moi, ce que je leur souhaite, c'est d'avoir une version Steam, mais pour console. Une version Steam pour console, ça leur ferait super, ça leur ferait beaucoup de mal. Hein. Mais quand tu vois un peu la gueule du marché comment c'est en train de se prendre, quand tu vois que Resident Evil, donc Capcom, hein, te vend une édition à 80 balles. Mais t'as pas le jeu dedans quoi. Ouais, bah tu finis. Non mais quand tu vois un peu le format c'est... économique, c'est quand même hallucinant quoi. C'est-à-dire qu'à 80 balles, tu n'as rien quoi. Ce n'est que du goodies. C'est une boîte à goodies quoi. Ouais, c'est ça. Bah, tu files dedans, ils avaient fait pareil aussi. T'as une woodbox. C'est une woodbox à 80 balles centrée sur du Resident Evil. Woodbox. Donc c'est très bien parce que t'as la reproduction du manoir des Bakers et tout. Un doigt USB. Donc c'est sympa, c'est du beau goodies, c'est du rigolo quoi. Mais t'as pas le jeu. Enfin, à côté de ça, t'as un jeu à 70 balles quoi. Donc si tu veux les deux en combiné, c'est 150 balles. Hors season pass. Et hors season pass, ouais. Donc en plus sachant qu'il y a deux DLC qui arrivent. Donc non, c'est tarot, hein. Le système économique, il est bizarre. En tout cas, moi, le système économique, en tout cas sur FIFA, moi c'est bon. Je le conseillerais à personne. Ouais, bah, c'est bravo, t'as vu ce que t'as gagné là. Eh, tu fais des sacrés. Ah, a priori, on a gros sur la patate. Hein. Ouais, tu l'as beaucoup déçu là. Pourtant, c'est un fan. Elle te dit que l'achète tous les ans. Hein. Ouais. Bah là, c'est fini. Donc voilà. Sinon, bon, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu de football, comme tous les ans. Des plus, des moins, mais bon, ça c'est. Ça va partir de beaucoup de jeux. Chacun peut se faire son idée s'il connaît la licence. Ouais. Je pense que chacun a sa propre expérience par rapport à. Au gameplay. De toute façon, c'est des jeux qu'il faut poncer pour pouvoir avoir en main le. Pour voir véritablement la différence. Véritablement en main, voir la différence. La différence, on l'a dès le premier coup. Ouais, mais moi, par exemple, si j'y joue pas souvent, je vais pas me rendre compte de la différence. Du coup, tu vas te dire, tiens, la dernière fois c'était un peu cradoche, là, 4 ans plus tard, visuellement, c'est beau. Visuellement, tu prends une sacrée claque. Visuellement, enfin, moi, j'ai toujours tourné. Après, c'est comme tous les FIFA. Tu joues les premiers coups, tu te dis c'est énorme, c'est génial, tout ça, et puis Pierre Ménès qui fait les commentaires, machin, et puis au final tu fais 4 matchs que tu vois, t'appuies sur start à fond pour passer les ralentis, t'en fous quoi, à la fin tu veux jouer. C'est un bon jeu, et j'attends impatiemment en tout cas le 2018. Ouais. Tu lui mettrais une petite note, Pierre?
pour voir. Ouais. Ouais, tiens, l'avis du conseil de classe. Bah, moi, je mettrais un 16 aussi. Je mettrais un 16 en graphisme. Après, voilà. S'il y avait des notes différentes, en graphisme, je mettrais 19. Bande-son, 18, etc. Mais en global. Et sachant qu'ils se foutent un petit peu de notre gueule du coup sur la version de luxe, je mettrais 16. Je mettrais 16 à la version de luxe. Bim, tu t'es fait sanctionner, mec. À un moment, quand tu déçois le fan, forcément, tu te fais sanctionner derrière. Et il est sympa, je trouve. Ah, tu l'as provoqué. Très gentil. Hein, faut pas provoquer Grizzly, là, mec, t'es mal. Peut-être une petite news. Peut-être une fake news de Comar. Là, tu viens de nous le chercher, notre Comar le Vito. Si vous voulez retrouver nos fake news, elles sont disponibles sur notre page Facebook. Tout à fait. Et Comar se fait un plaisir de vous faire des fake news. Voilà, et ça démonte. Et je vous préviens, peut-être que IE, un de ces gens, t'aura le droit à ton petit article fake news. Hein, ouais, certainement. Fais gaffe à toi. Parce qu'à un moment, hein, prendre le moteur graphisme de FIFA 2000, merci. Faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons. Donc, si vous voulez voir aussi, sur notre page Facebook, on a mis donc, notre ami Super Tramp, bénévole, qui est aussi, comme Comar, un fan de FIFA et qui les a tous faits et qui a une collection de FIFA de 95 jusqu'à 2017. Donc voilà, il a la collection entière, il les a tous faits et il nous a fait un petit article de façon bénévole. Donc il nous fait un petit peu le récap. Donc il est plus ou moins d'accord avec toi parce que moi je l'ai lu et il a exactement, t'as ciblé plus ou moins les mêmes points que lui. Donc c'est un petit peu plus détaillé. Donc en plus, voilà. Profitez-en pour aller voir l'article. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis voilà, c'est notre bénévole et à mon avis, il sera content que vous mettiez des petits commentaires. Même, il sera très content de savoir qu'on lui a fait un petit clin d'œil. Ah, là, il va être heureux, là, je connais. Là je pense que le Lillois, il va être content là. Très bien, bah écoute, parfait. Voilà, c'est tout pour FIFA 17. A bientôt pour FIFA 18. A bientôt, à bientôt. Avec le pack de luxe. Hyper de luxe cette fois, il va claquer 150 balles et il aura 4 cartes dans son pack. Non, il aura la statue d'un joueur. Et un ballon de la taille d'une bille. C'est fatal. Très bien. Merci. Donc, autour de Batman Taken. Bah alors. On passe à Batman Telltale. Allez. Bon, alors dans ce cas, on va sortir un petit short Batman. Hein, oh là là. Le goodies. Placement de produit. Placement de produit pour DC. Oui, bah oui. Oui le oui. Mec, il fait moins 40 dehors. Il nous sort le petit short. Il est malade. Le mec est malade. Et puis c'est pas grave. Wow, je pense qu'on peut pas être pire. Non, bah Batman Telltale Series. Donc pareil, hein, sur le système économique de l'épisodique. Donc le premier épisode a dû sortir le 2 août, je crois. Il est sorti cet été. Juste avant la sortie, je crois, de la Xbox One S. Donc ça et le dernier épisode Xbox One S. Et le dernier épisode, hein, c'est quoi ce Batman Telltale? Non, Xbox One. Xbox One. Xbox One S. C'est la meilleure console. C'est une sorte de console, mais faites gaffe, faites gaffe. Non. On va pas lancer le débat là. J'aurais dit Nintendo 64. Arrête, d'accord. Il c'est le premier à l'avoir eu quoi. Avec le moteur graphique de la Sega. Je ne vais rien dire parce que vous allez m'agacer. Ok, vous allez me mettre en colère. Donc ouais, donc juste la veille de la sortie de la Dreamcast. Xbox One S, la plus belle. Et le dernier épisode est sorti là le 13 décembre, donc c'est en 5 épisodes. Donc chose qui est bien à souligner, c'est que Telltale d'habitude est très à la bourre pour sortir tous ses épisodes. Là, les 5 épisodes, donc toute la saison 1, est sorti en moins de 6 mois. Quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est combien Alors il était annoncé à 30 balles, donc il était... Juste la saison 1. Ouais, la saison 1, 30 balles. Donc ça te fait du 6 balles si tu prends juste épisode par épisode. Et puis là, moi je l'ai pris au moment où il y avait les soldes de PS4. Donc je l'ai eu à 15 balles, moi. Avec les épisodes ? Avec les 5 épisodes dedans. Donc 15 balles, sachant qu'un épisode fait à peu près... Ouais, si tu prends ton temps et tout, t'en as pour 1h30, 2h, quoi. Ouais, donc ça te fait, ça fait 6, 7, voire 8 heures de jeu. Quoi. Donc c'est plutôt pas mal pour 15 balles d'avoir un temps de jeu aussi grand que ça. Quoi. Pour ce qui est du contenu, alors moi je félicite Telltale.
Ouais, je félicite parce que bah alors je suis un très grand fan de Batman. Hein. Donc non. Superman, je connais pas. C'est... Superman, je il est pas mort lui. Superman, mais de toute façon on l'enterre lui. Et on l'a enterré. On l'a enterré, c'est terminé. C'est vrai, le film, ok, j'ai pas envie de débattre tout de suite. Ce sera le sujet d'un podcast d'une heure et demie. Vous centrez sur nous. Non, de 3 heures plus la Xbox et la PS4, on fera un cumul. On fera. Ce sera 2 minutes de podcast. Je pense que ce sera un podcast débat quoi. Apparemment, il y a des sujets internes dans l'équipe Master Geek. Donc ouais, non, je disais ça, c'est que ils ont réellement bien bossé dans le sens où moi qui lis beaucoup les comics Batman, j'en ai une tripotée et je connais réellement bien l'univers Batman. Là, j'ai été surpris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une toute nouvelle histoire. C'est-à-dire que il est pauvre. Hein? Non, il est pas pauvre. Il est riche. En fait, c'est Oliver Twist. Il est recueilli par l'aide sociale à l'enfance. Dans le sens où tout ce qui, bah, par exemple, je prends le personnage du pingouin. Donc je vous incrusterai une petite vidéo à côté. Mais le personnage du pingouin, par exemple, n'est pas du tout pareil. Ouais, alors je sais pas où est-ce que ce sera. La Macarena. Mais non, dans le sens où le pingouin, c'est pas le pingouin qu'on connaît. Ça veut dire que c'est Bruce Wayne et le pingouin, en fait, ont grandi ensemble sur les premières années de leur vie. C'est complètement différent. Ça veut dire qu'en fait, c'est tout un nouvel arc scénaristique, quoi. Et c'est hyper passionnant parce que tu découvres en fait une nouvelle phase de Batman, mais avec les personnages iconiques. Donc tu vas avoir Harvey Dent, donc avant qu'il soit double face, t'as le Joker que tu découvres, donc qui apparaît juste comme ça, mais donc c'est juste avant que ça devienne le Joker. T'as Vicky Vale, donc qui était joué par Kim Basinger dans le premier Batman. Okay. T'as tous ces personnages là, donc Catwoman qui est là, donc tous les personnages iconiques de la saga Batman sont présents, mais avec un nouvel arc scénaristique. Bah c'est un peu comme si vous achetiez un comics et que vous découvriez une nouvelle histoire quoi. Et pour 15 balles. Pour 15 balles, c'est ça. Mais c'est pas cher quoi. C'est le prix d'un comics. Ça veut dire que aujourd'hui un comics me coûte 20 balles moi. Aujourd'hui ouais, Urban c'est me coûte 20 balles 15, et je passe. Ça dépend. Ouais, 15-20 balles. Ça dépend de l'épaisseur de ton de Urban. Ouais, généralement moi ceux que je paye ils sont quand même à 20 balles. Ils sont balèzes. Mais j'en ai pour quoi une heure de lecture. Là, j'ai t'es un bon lecteur. Bon, disons une heure et demie pour les moins bons lecteurs. Hein, tu lis bien? Bah j'arrive à lire parfois. Ouais. Ah si d'ailleurs ça fera pas. Vous me rappellerez niveau lecture pour tel parce qu'il y a quelques petits soucis quand même. Hein. Okay. Donc ouais, je trouve que c'est réellement pas cher pour 15 balles donc au prix où je l'ai eu, où t'as 8 heures de jeu et où c'est interactif. C'est-à-dire qu'en fait les choix que vous faites, donc c'est le format tel, c'est qu'en fait c'est un jeu où vous avez des choix à faire. Un peu comme The Walking Dead. Oui, c'est exactement. C'est le studio qui a développé The Walking Dead, Borderlands, Game of Thrones dernièrement, et où en fait c'est un jeu qui est basé sur vos choix. Et du coup, ce qui fait qu'à la fin, vous n'aurez pas la même expérience qu'un autre joueur, parce qu'à chaque fois, vous avez une grille de 4 choix. Et bon, je pense pas que ça varie des masses entre chaque truc, mais ça te laisse penser que tu vas pas avoir la même histoire. Et donc, t'as des choix tout cons où tu sens que de toute façon c'est tranché. On aura tous le même avis. Okay. Mais t'as des choix où c'est beaucoup plus où c'est pas si évident que ça quoi, parce qu'en fait ça interpelle le joueur et où on n'a pas tous la même réaction quoi, et où ça t'as une réelle coupure entre les choix de joueurs. Par exemple c'est tout con mais donc à la fin de chaque épisode donc on vous présente donc on vous dit bah, par exemple vous et 50% des joueurs avaient décidé de faire ce tel choix. Donc ça te permet de voir. Et là, c'était sur le dernier épisode que vous avez retrouvé en let's play parce que je vous les ai filmés. Ah, ça fait ça toi. Oui, j'ai fait ça. Moi, je suis quelqu'un, je pèse dans le game. Ouais, voilà. C'est bien ça. Donc, j'ai décidé de vous balancer toute la saison 1 en let's play. Et du coup, c'est dans le dernier épisode, là, donc saison 4, enfin épisode 4. Donc, plus on avance dans l'histoire, plus les choix ils deviennent difficiles. Donc, je sais que t'as des choix où c'est tout con. Tous les joueurs pensent de la même façon. Donc, t'as vous et 80% des joueurs avaient choisi de faire ça. Okay. Mais là, par exemple. Ils te le disent après, ouais, à la fin de l'épisode. Donc vous et 80% des joueurs avaient décidé de faire ce choix-là. Donc ça, c'est les choix un peu à la con, tout évident, où tu te dis, bah, c'est évident que je vais choisir ça. Et tu as des choix moins évidents, où par exemple, en rapport avec le Joker, ou même sur la façon d'agir de Batman, où bah, on n'a pas tous les mêmes réactions, où là, ça va être du 50-50. Ouais. Alors que par exemple, tu vois que sur tous les autres choix, bah, c'est majoritaire, on a tous la même façon de voir le truc, c'est 80-20, quoi. Sauf là où c'est du 50, 49, 48... Ouais. Là, tu dis, on n'a pas tous la même façon de voir le personnage
jusqu'où nos choix de moralité vont, quoi. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant à voir. Donc si, donc je vous disais au niveau de la langue pour les lectures, là tel vous êtes un peu foutu de notre gueule, c'est que plus t'avances dans les épisodes, plus c'est pas doublé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, donc la voix est en anglais et les sous-titrages sont en français. Okay. Donc pour les choix, c'est pareil, c'est un sous-titré français. Bah dans l'épisode 4, le nombre de fois où j'ai eu des phrases en anglais, en fait juste en anglais, et juste après ça en enchaînait avec le français. Mais c'était quasiment la moitié du let's play, quoi. Ouais, donc ils sont pas fait chier pour les... Ouais, au moins ils ont lâché le truc, quoi. Ah bah ouais, ça veut dire qu'en fait les trois premiers épisodes, comme ils sont sortis il y a un moment, je pense que ça a été revu en mise à jour, en machin. Ouais. Mais là, les deux derniers épisodes, bon, j'ai pas fait le dernier encore. Là, je vous donne mon avis, mais j'ai pas fait le dernier épisode. Je peux noter le jeu que sur 4 épisodes. Bon, j'ai un avis assez, assez clair sur le jeu en total pour le moment de ce que j'ai. Mais ouais, tu sens que sur les avant-derniers épisodes, c'est taillé à la serpe. Et si tu comprends pas un peu l'anglais, que tu te démerdes pas à moitié. Bah, tu peux te retrouver à faire des choix à la con et regretter ton choix, quoi. Okay. Donc, pilule rouge, pilule bleue. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, sauf que c'est 4 pilules là quand même. Hein. Ah oui. Donc, ouais, c'est un peu chiant. Et au niveau du format de jeu, ça se passe comment? C'est une cinématique ou c'est donc des en fait, images c'est une cinématique en fait. Okay, une cinématique. Sachant qu'en chaque début d'épisode, on te fait un rappel de l'épisode précédent. Okay. Ouais. Et à chaque fin d'épisode, tu as un trailer pour l'épisode d'après. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon après c'est le gameplay, c'est du QTE, hein, donc des phases on vous indique les touches à l'écran et puis vous devez les reproduire. Ouais. Graphiquement ça ressemble à quoi? C'est très joli, c'est du comics, du très très beau comics. Dessin, quoi. C'est comme du dessin. Et il y a un apport, enfin c'est réellement soigné, quoi. Voilà, c'est là où je trouve que moi ils ont tiré leur force, c'est ce que je te disais la dernière fois. Je trouve que là où Telltale a tiré la force de Batman, c'est qu'ils ont réussi à vous vendre un jeu en version un petit peu un effet comics. Et moi, c'est comme ça que j'imagine Batman, parce que c'est comme ça que tu le lis, en fait. Oui. C'est qu'en fait, la première représentation de Batman, elle n'est pas comme tu l'as dans Arkham. C'est une représentation comics. Tu le lis comme ça, Batman, il est né en crayon, en fait. Et donc, tu retrouves vraiment les coups de crayon un peu taillés à la serpe. Le Bob Kane, voilà, c'est... Et puis, aussi, Batman à côté de Superman, il faut savoir que c'est un comique. Ça, c'est un message de l'outre-tombe, c'est ça? On voit encore ces morceaux de chair qui flottent dans l'espace. Le mec qui passe plus de son temps à mourir qu'à vivre. Dernière chose, c'est qu'entre chaque épisode n'est pas écrit par la même personne. Ça, c'est un plus. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, un épisode est indépendant d'un autre. Enfin, il y a l'histoire de base que tu mènes, mais c'est la trame de base. Okay. Donc, mais chaque auteur a apporté sa petite patte. Donc c'est tu vois que les épisodes ne sont pas écrits par les mêmes personnes. Ouais. Tu vas avoir un épisode qui est plus tourné action, un épisode où ça va être plus tourné sur le mental de Batman. Et dernière chose, c'est que c'est hyper intéressant dans le sens où là on découvre des aspects de la famille Wayne qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'en fait ça vient rechercher toute la base. Donc en fait généralement on ne sait pas grand-chose de la famille Wayne le père était un docteur. Et la mère, on sait pas plus que ça, femme au foyer. Bah là, en fait, on en apprend à balle, et c'est ce qui fait, en fait, c'est l'arc de base de ce Batman telle série. Parce qu'ils sont encore en vie, du coup, dans cette série. Non, ils sont morts. Ils sont morts, pardon. Mais les circonstances de la mort sont différentes. Okay. Et du coup, t'en apprends sur leur passé, parce que c'est ce qui mène, en fait, à l'action présente. Et c'est réellement intéressant. C'est super bien foutu, et du coup, il y a toute cette relation avec Alfred qui était déjà là à l'époque. Mmh. Et est-ce que tu lui fais encore confiance maintenant ou pas? Parce qu'en fait, il y a des choix que la famille Wayne a fait avant qui sont dérangeants. Et du coup, tu vois pas la famille Wayne comme tu peux la voir dans les films. Ouais, même Alfred, quoi. Okay. Donc ouais, là, pour les 4 épisodes que j'ai fait, sans déconner, pour le prix que j'ai payé, je lui mettrai un 17, voire 18 sur 20. Ouais, c'est une belle note. Parce que t'es fan aussi. Tu vois, un Arkham Knight que j'avais. Enfin, je suis fan de l'univers Batman, mais par exemple, un Batman Arkham Knight, je le sanctionnerais plus. Parce que l'histoire est bien, mais je veux dire, l'histoire de Arkham Knight n'est pas aussi intense que j'ai pu la retrouver dans tel. Ça veut dire que je pensais réellement pas. C'est simple, ce Batman-là, il m'a un peu fait penser à la première saison 1 de The Walking Dead dans de Telltale, quoi. Hyper bien écrite, tous les personnages sont profonds. Après, c'est un jeu qui est fait pour aussi.
dans Batman. Ouais, mais par exemple, tu vois, enfin, tu bats plus que. Bah ouais, mais tu vois, par exemple, Batman, tu t'attends à foutre des mandales. Là, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'en fait, t'as des phases d'action, mais elles sont très peu présentes. C'est que là, c'est l'histoire qui prime. La réflexion. Et ouais, et moi, c'est ce que j'adore, c'est l'histoire. Et l'histoire, elle est géniale, quoi. C'est reprendre aussi l'origine de Batman. C'est que à la base de sa création, Batman était plus qu'on d'ailleurs, il sortait sous l'édition Detective Comics. C'est là, c'est le côté détective. C'est un reporter comme Tintin. C'est un peu Tintin. Le reporter, le reporter, c'est ni plus ni moins que Clark Kent. Monsieur Fake News. Balayez devant votre porte. On va pas refaire le débat, mais Clark Kent, c'est le mec qui met pas de masque. On arrive à le reconnaître à chaque fois qu'il se transforme en Superman ou en Clark Kent. C'est la même personne, mais personne ne le reconnaît. Il a juste du gel en plus. Pour l'instant, il se démerde plutôt pas mal. Apparemment, il a des actions chez Vivaldop. Apparemment, chez Metropolis, ils ont de la merde dans les yeux, les gars. C'est le seul mec qui est soumis par son rédacteur en chef. Hey Kent! Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder. Hein. C'est que des jeux vidéo Superman, t'en as vu une tripotée là dernièrement? Bah non, parce que du coup, moi, s'il n'y a pas de jeu. Parce qu'il a gagné d'avance. Non, mais là, on va couper le gros débat parce que là, ça va être un débat encore très long. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'en tout cas, sur les deux dernières années, il y a eu 3 jeux Batman. Arkham Knight, Arkham VR, On est sur Telltale là. Ouais. Et j'ai confectionné une médaille rien que pour ça. Félicitations. Tu l'as laissé dans la tombe. Allez, c'est bon. C'est cadeau. Donc, non, mon avis actuellement, il est très très bon, il est très positif. Même pour 30 balles, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Et encore que je pense que vous pouvez les retrouver parce qu'il est en format physique aussi. Hein. Vous pouvez, enfin, il faut télécharger les épisodes, mais il est en format physique quand même dans les magasins. Ouais, non, t'as le format boîte en fait qui est proposé en magasin, okay. Un format CD. Ok, et c'est un format qui file un code et que tu télécharges après sur. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Chez Micromania, je ne sais plus. Je ne sais plus. Micromania, en plus, tu dis maintenant. Ouais, Micromania, j'en ai plus rien à secouer. Ils se sont foutus de ma gueule cette semaine. Allez vous faire foutre. Je suis pas content. Donc, ouais, okay. Très 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 bon avis. Donc, si jamais je devais revenir sur ma note parce que j'ai pas fait le dernier épisode. Faudra aller voir sur le. Tu reviens sur les notes, toi, t'es comme ça. Toi. Ouais, t'es le droit de. Toi, t'es le pro, t'es le pro. Donc, ouais, non, si jamais je devais revenir dessus, ce serait à la fin de l'épisode 5 dans le let's play. Donc, faudra aller voir dans la dernière partie parce qu'à chaque fin d'épisode, je vous donne mon avis sur l'épisode et ce que j'ai pu en penser. Ouais. Donc, la fin, c'est vrai que ça compte. La fin de l'histoire, surtout. La façon de conclure cette histoire, est-ce que ça mènerait une saison 2? On sait pas. Donc ouais, là actuellement si je devais lui donner une note, je lui donnerais un 17 sur 20 parce que je pense que même à 30 balles, il les mérite. Parce que ouais, l'histoire est superbe, le dessin est superbe. Donc non, pour 30 balles, c'est pas se foutre de votre gueule. Et pour du 15 balles, c'est du donné quoi. C'est, faut pas hésiter, faut le prendre quoi. Très bien. Donc voilà, moi j'ai été méga emballé. Merci Telltale, s'il te plaît, fais-moi une saison 2 de la même façon. Et c'est prêt. Je sais pas. On sait pas. Je sais pas. Et fais-moi un Gardien de la Galaxie comme ça, parce qu'a priori ils font les Gardiens de la Galaxie. Oh là c'est là leur prochain travail. Ils sont en train de. Ils jouent sur DC, Marvel. On va pas refaire le débat non plus. C'est ça. Ouais. Delcourt aussi, parce que du coup, Delcourt c'est pas ceux qui éditent The Walking Dead. Si, chez nous en France c'est chez Delcourt. Nous. Donc voilà. Je crois qu'en Amérique c'est Dark Horse qui doit éditer. Je sais plus si c'est Dark Horse qui édite. Donc je voudrais pas raconter de conneries, mais je crois que c'est Delcourt. Mais Delcourt c'est en France, c'est Delcourt, c'est Walking Dead. C'est celui qui est éditeur. Donc, tu vois, ils font plusieurs trucs et c'est très très bien. Ils tâtent sur comics quoi. Ouais, et garder ce format du 6 mois et de pas vous étendre à plus parce que contrairement à d'autres saisons que vous avez pu faire, là les 6 mois étaient géniaux. Parce que j'ai voulu le faire en août, mais moi je déteste l'épisodique donc j'ai attendu de décembre. Et très bien, 6 mois, pas plus. Voilà. Ok, c'est bon. Parfait. T'as tout dit. J'ai tout dit. Ok. Toi, Ringo, avec ton donc moi, je vais faire une belle transition. Alors comme vous le savez, ce mois-ci, il y avait rien qui m'emballait comme jeu. J'étais pas forcément, j'ai pas trouvé mon compte au mois de janvier. Xbox mais, ne sort rien. Même PlayStation, hein, mais l'ensemble, hein, c'était un peu le moment creux de l'année pour c'est moi. C'est vraiment qu'ils sortent plus rien sur Dreamcast. Hein. Ah, écoutez, t'avais pas de cartouche. Déjà, il y a Tetris, il y a Tetris Remastered. Écoutez. Les mecs, ils font une PS4 Pro inutile. On peut faire de Ratchet & Clank, je sais pas. Bah, je voulais le faire, mais du coup, ça m'a pas laissé beaucoup de temps dans tout ça. Donc moi, j'ai décidé de faire une belle transition avec Batman Arkham VR, donc qui est un jeu développé par Rocksteady.
Studio et édité par Warner Bros. Donc ce jeu il est sorti le 13 octobre 2016, donc au moment du lancement du PlayStation VR. Donc là je trouvais intéressant et pertinent de parler de Batman Arkham VR vu que il n'y avait pas encore il y a pas encore de véritable jeu pour PlayStation VR, mais sauf maintenant avec l'arrivée de Resident Evil, donc c'était moyen aussi de parler de ces petites expériences là. Et Batman en était une des plus intéressantes vu que c'était pour vous la possibilité d'incarner le chevalier noir de Gotham. Et donc moi aussi étant un fan aussi de Batman, moi que mon compagnon Rose à côté, mais encore moins. Mais un peu plus quand même. Que mais beaucoup ici. Plus que voilà. Mais voilà, donc cette expérience de VR, elle était intéressante vu que c'était une expérience d'une heure. Donc ça vous laisse le moment de bien... pas une grosse expérience qui peut vous donner mal à la tête, mais qui permet justement de bien être dans le personnage Batman. Et qui est aussi très tourné, donc beaucoup plus vu que c'est un jeu VR, plus tourné sur la narration et sur tout ce qui est autour à Gotham, l'expérience d'immersion. Le côté donc, détective, ouais, voilà, c'est ça. Parce que le système de combat, il n'est pas présent pour le coup, parce que c'est un VR et que pour le moment, tout ça, c'est pas encore réglé. Tout ce qui est motion sickness, tout ça, c'est. Voilà. Je pense qu'ils sont pas trop. Sachant chers, qu'en plus, pour le coup, c'est pas parce que je suis fan de Xbox que je dis ça, mais c'est parce que je trouve que le PlayStation VR, pour le moment, c'est un casque d'entrée de gamme et que visuellement, c'est pas le plus joli. Donc je pense que de toute façon, il va falloir qu'ils règlent des petits soucis là-dessus. Avoir le Xbox VR ? Il n'y en a pas d'Xbox VR, mais il y en aura peut-être un, attention. Ils se laissent peut-être le temps pas. De. Ils attendent de voir. Je pense que Xbox se laisse le temps. Mais ils ont fait des partenariats en plus. Ils font plein de partenariats avec Oculus, HTC Valve, voilà. Ils sont assez malins. Asus qui en sort une tripotée aussi. Je pense qu'ils ne se casseront même pas le cul. Donc Xbox se laisse justement l'échec des autres loin et se permet de faire des partenariats pour proposer. Non mais si, je parle pas forcément du PlayStation VR, je parle de l'ensemble des casques. Les erreurs comme ça sera non, pas puis, à compte. Pour le moment, faut pas oublier que c'est des expériences de niche hein, qu'on a. Voilà. Ouais. Donc, il a quel prix d'ailleurs celui-là Celui-là, il était il a 20 balles de ouais, 20 balles, ça fait un petit peu, ça fait un tarif. On est d'accord. Ça fait tarot, mais en fait, faut le vivre pour le comprendre, je trouve. C'est ouais. Alors, moi je suis le premier à être là-dessus, j'ai du mal à lâcher mes deniers. Hein. Mais le mec est avare. Oui, je suis avare, hein, faut pince, dire. En fait. Et pas une pince. Il sent pas ton iPhone. Non, tiens, par contre, j'ai un paquet de mouchoirs. Merci. Non, mais tu vois, donc au début, quand j'ai claqué les 20 balles, j'ai trouvé ça excessivement cher. Je trouvais que je me disais, putain, 20 balles l'expérience d'une heure, sans déconner, ils se foutent un peu de notre gueule. Mais à l'avoir fait, bah, je regrette pas, quoi. Alors. Je serais peut-être pas aussi parce que je suis fan de Guillaume, Batman, mais, voilà, Guigui t'es fan et pas impartial. Mais bon, moi qui est un peu plus impartial pour le coup, alors j'ai bien aimé mon expérience d'une heure. J'ai trouvé qu'elle était l'histoire est plus qu'intéressante. Il y a le début est super parce qu'en fait vous vivez la mort de vos parents. Donc cette scène qui est emblématique dans tous les Batman, hein, dans tous les films Batman, du moins voilà, on vous parle toujours de cette scène de moment où les parents se font assassiner dans la ruelle. Là vous êtes l'enfant en fait, c'est une vue à la première personne. Vous êtes derrière Martha, et c'est ça, ouais, c'est ça, Martha. Mmh. Et donc, tu vis cette scène et elle est, voilà, elle est mouvante et tu es très vite plongé en fait dans l'immersion. Et donc après, tu vas t'es dans le manoir Wayne, tu vas dans ta Batcave, voilà, tu suis toute, tu vas dans les endroits emblématiques de Batman, t'es dans Gotham, tu regardes Gotham autour de toi, même quand t'es dans le menu. Tu regardes ton larfeuille, putain, il est rempli. Ouais, je suis pété, putain. Tu vas dans un galin, et là, c'est le coup d'aller venir avec un Micromania, avec votre casque VR, mec, j'ai plein de thunes. Non, mais voilà, donc c'est. Bah, elle est où? Bah, pas là. Après, c'est pour moi, je pense que c'était l'un des meilleurs. Il fait partie de l'un des meilleurs titres de lancement du PlayStation VR avec. Until Dawn, Until Dawn, voilà, c'est l'un des meilleurs au lancement. C'est ceux qui valaient peut-être le coup Je pense que c'est pour PlayStation VR. Parce que vous êtes vraiment Batman, vous arrivez à vous voir dans une glace. Après, il est très bien fait. Hein. Il est joliment fait. Bien, voilà, l'immersion elle est totale. Après, voilà, moi ce qui me manque, c'est vraiment un petit peu de combat. Malgré tout, alors après, c'est vrai qu'il y a ces difficultés du motion sickness qui empêchent cela. Donc, moi, c'est quand même un point noir que je mettrais. La narration est belle. Je trouve que malgré tout, il manque un petit peu. Sans trop spoiler, il manque un petit peu dans. Je trouve que Batman est un petit peu trop froid, même s'il est connu pour avoir un peu de froideur. Mais après, faut pas oublier que c'est un épisode qui se passe juste au moment d'Arkham Knight. Oui, mais donc il y a toute l'histoire qui va avec. Voilà. Mais bon, malgré tout, c'est un mec qui connaît pas. Je veux dire, voilà, moi, je pars d'une personne qui était juste parce que t'as un PlayStation VR. C'est une expérience qui vaut le coup. T'aimes pas t'as envie de Batman, faire. Tu le fais. Mais bon,
Voilà, après, il est intéressant et je pense qu'il manque quand même un petit peu. J'aurais préféré faire en une heure de plus, hein, comme beaucoup de jeux. Mais voilà, il est intéressant. Il est pas mal fait. Je trouve que le rendu visuel, parce que pour le coup, les jeux PlayStation VR et puis les jeux VR en général, puis surtout ceux de PlayStation VR, sont pas connus pour avoir un graphisme très développé. Je trouve que pour le coup, c'est celui qui a un meilleur rendu visuel. Donc après, 20€, ça reste excessif. Mais bon, les autres jeux sont proposés au même prix. Et pour le coup, lui, visuellement, il est beaucoup mieux. Donc, après, c'est très immersif. C'est pour ça que tu ne te rends pas forcément compte. C'est ça. Tu as une qualité d'immersion. Moi, j'étais là. Je peux vous dire que... Moi, j'avais réellement l'impression d'être le chevalier noir de Gotham. Voilà, c'est ça. Moi, je parlais au mec. Je leur disais... Et c'est con, hein, mais j'ai eu une gaule pas possible en me voyant dans le miroir, en bougeant la tête et en voyant le masque dans le miroir qui bougeait. Quoi, et où j'étais Batman. Quoi. T'étais Batman. Donc, c'était un rêve de gosse pour moi d'être enfin le chevalier noir. Mais voilà. Non mais rien que la descente dans la Batcave, la descente dans la Batcave est géniale. Et puis même quand tu viens pour te venger un peu, tu redescends dans un ascenseur, t'es encore en mode je suis prêt à le dégommer quoi, je suis prêt à aller me venger quoi. Donc c'est pas mal. Je suis Batman. Et je suis Superman. Voilà. Mais bon. Avec mon slip sur moi. Il est comme ça. Mais bon. Donc juste l'enquête, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon ça c'est encore c'est un combat beaucoup de jeux VR, donc ça c'est on peut pas trop le sanctionner là-dessus non plus. Mais bon, voilà, après moi tu vois, c'est ce que je me dis, c'est que là c'était le premier à sortir dans ce sens-là. Donc 20 balles pour une heure, après comme tu as Resident Evil là qui vient d'arriver avec 25 heures de jeu en VR, je pense que ça va il y en a d'autres qui vont arriver là. Après ce que je trouve dommage et là je me dis que Rocksteady qui te fait un jeu à, réellement en complet Batman en VR. Bah, c'est jouable quoi. Après, moi j'arrive quand même pas à comprendre. Les Batman, ça va. Ouais. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que malgré tout, ta première expérience de jeu VR, elle n'arrive que fin janvier. Ton casque est sorti le 13 octobre. Ouais, mais ça, donc, ça, c'est le point noir. Ouais, je veux dire. Il fallait le temps. Mais... Non, mais c'est pas normal. Dans le sens où Sony, ils savaient qu'ils allaient sortir un casque VR à telle date. Non, mais de toute façon, ils ne proposent pas de vraie expérience. C'est pas normal. Après. Tu peux pas dire qu'ils sont arrivés sans rien. Je veux dire, on fait beaucoup la reproche à beaucoup de constructeurs. Autant Sony que Nintendo que Xbox, en disant si tu sors une console, on veut des expériences automatiques dessus. Ben, et là, pour le coup, le PlayStation VR, t'avais pas d'expérience, quoi, à part des démos, et qui étaient, voilà, qui sont bien, mais ça. Enfin, moi, je suis désolé, si tu veux vendre ton casque, il faut que tu à 400 sortes... balles, c'est vrai que c'est compliqué à vendre. Par contre, ce qui est pourtant étonnant, c'est que le casque est quasiment introuvable parce que toi, t'as essayé de te le commander. Mais pourquoi parce cette que... semaine, là, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, donc il n'était pas dispo. Pas dispo. Chez Micromania, pas dispo. C'est au Japon t'es en aussi. Toujours en... C'est au Japon, là, par exemple, ils venaient d'être réapprovisionnés. Je crois que c'est toute la nuit, ils ont fait la queue et ça y est, rupture de stock. Et là où ils font leur différence, malgré tout, c'est que le prix est plus accessible que les autres. Bah, c'est 400. Et c'est pour ça qu'il marche bien. Mais s'il avait été au même prix que les autres, voilà. Et là, c'est là que je dirais attention Sony, c'est que vous avez fait une fin d'année où, d'accord, vous avez sorti une nouvelle PS4 normale, enfin remasterisée, une PS4 Pro, un PSVR, 3 hardware sur la fin d'année. Bah, sachant que vous avez tendance... Il y a des jeux à produire quand même. Vous avez une histoire malgré tout qui fait que vous avez du mal à suivre deux hardware. À suivre deux hardware en même temps. On l'a bien fait avec la PS Vita, qui était un très beau projet en plus de ça. Et qui a beau gâchis de Sony. Quoi. Ils avaient tout. Vous aviez tout pour réussir. La PS Vita, tout, quoi. Vous aviez carton libre. Quoi. Devant vous, c'était open bar. Parce que cette console, mais c'est une tuerie. Bah, clairement, ils n'avaient pas les idées sur les moyens pour la produire. Elle est dans un carton. Quoi. Ouais, dans un carton. C'est ça. Bah, moi, elle n'est pas ressortie depuis des années. Donc. Voilà. Donc, c'est dommage. Mais bon. Voilà. Donc, Arkham VR, moi, à VR, si je devais lui donner une note... Ta petite note du conseil des classes. Ouais, on va rester sur le 16. Ah, je pense qu'il vaut son 16. Il vaut son petit 16. Il vaut son 16 parce que c'est une bonne expérience VR. C'est... quand même de la VR, donc c'est toujours c'est quand même une nouveauté et ça c'est à valoriser. C'est pas n'importe quel jeu parce que vous reprenez un emblématique qui fait toujours plaisir ou la fan zone aussi est très présente. Donc ça, t'as beaucoup de clins d'œil. Hein, t'as beaucoup de clins d'œil. Tu vois quand même, voilà, tu vois Robin, tu vois Nightwing, tu vois Joker. Bon, c'est stylé. Tu vois le pingouin. Killer Croc. Ouais, tu vois Killer Croc. Voilà, t'as quand même beaucoup de clins d'œil. Vous avez pas, voilà, t'es dans Gotham. T'as la Batmobile et t'as le... Ah si, c'est le petit côté négatif qu'on avait vu avec Anto, c'est tu vois toutes ces phases qui sont en Batmobile et en jet, tu les vois pas dans l'écran noir. Tu te montes dedans et bam, il arrive. Quoi. Voilà. Ouais, ça c'est chiant ça. Ça fait chier. Ouais. Bon. Ça casse les couilles. Après, je pense que voilà. Après, 20 balles, moi ça me fait chier. Ouais. Alors, je trouve... Moi je fais partie de ceux des pingres aussi, mais quand je lâche ma thune, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Mais après, voilà, 20€, je trouve que ça mériterait que 15€.
ça aurait pu mériter son 15 euros. Oui, je pense que c'est vendu excessivement cher. Ouais, 15 balles. Après, que quand tu vois que... Surtout qu'en plus de ça, t'avais pas d'expérience en face. À part ça, c'était un peu. Mais je pense que c'est justement pour ça qu'en fait, ils ont grave augmenté les prix sur le départ. Parce que quand tu vois quoi, Resident Evil 7 arrive aujourd'hui avec un jeu de 25 heures qui est vendu à 70 balles. Te voir qu'avec t'as Batman à côté qui a 20 balles pour une expérience d'une heure. Je pense qu'ils sont un peu foutus de notre gueule sur le départ et c'est un peu cash machine quoi. Mais oui, et on est plus en plus de ça chez les éditeurs, chez les développeurs, chez les constructeurs. On est tombé là-dedans dans une économie cash machine et on a tendance à un petit peu oublier que le porte-monnaie du consommateur il est pas extensible et que. Des êtres humains. Bordel de merde. Et on est en France en plus, c'est la crise chez nous les gars. Wow. Mais bon voilà. Donc je mettrai 15-16, mais bon. Après voilà. Je trouve que c'était une belle expérience VR et que j'ai. Est-ce que dans les 1 heure, tu as compris aussi les défis de l'homme mystère ? Non. Moi, je les ai pas faites. Donc voilà, okay. Ça peut durer plus longtemps si vous avez le défi de l'homme mystère. Mais bon. Il y a plein de trucs en fait, parce que moi, du coup, je l'ai vraiment fait en complet, sauf les énigmes de l'homme mystère, parce qu'il se débloquait qu'à la fin du premier passage. Ouais. Moi, en ayant regardé par exemple, rien que dans le manoir. Ouais. Moi dans le manoir j'ai déjà passé une demi-heure en fait parce que t'as plein de trucs à ramasser, à regarder. Puis tu peux faire des trucs, voilà. Il y a tout quand même pour le VR, pour une expérience VR, il y a quand même de tout pour tout le monde. Donc ça c'est plutôt encourageant. Ouais. Donc voilà, après avoir la suite du VR, moi je reste encore perplexe sur votre VR Sony. J'espère que vous allez réussir à bien le suivre, mais bon, à voir. Donc, la seconde news que je voulais parler aujourd'hui, je voulais parler d'Overwatch. Donc, vous savez que c'est le jeu de l'année du Games Award, encore, parce que moi j'ai deux fers de lance, j'ai Xbox et Blizzard. Mais voilà, donc Overwatch, je voulais parler parce qu'ils ont fait encore un nouvel événement. Vous saviez qu'on était intervenu avec Rasta pour parler justement de l'année d'Overwatch qui a été plus que réussite pour Blizzard. C'était le succès de l'année. C'est un jeu qui s'est très très bien vendu. Aujourd'hui, on a pris les chiffres. Voilà, il y a plus de 25 millions de joueurs sur Overwatch. Hein, ça représente, plus d'habitants qu'en Belgique ou aux Pays-Bas. Donc 25 millions de personnes qui jouent Overwatch sur toute surface comprise. Donc c'est un carton plein pour Blizzard. Hein, on s'y attendait pas. Ça fait pas encore un an d'ailleurs. Ce sera en mai. Ça fera un an. Et là, on sort donc, vous saviez qu'il y avait la féerie hivernale, j'avais fait un article dessus sur la page Facebook des Master Geeks. Donc la féerie hivernale, c'était un événement qui traitait de Noël avec tous ses skins et ses trucs en plus, mode de jeu d'arcade qui était, voilà. Et là, on vient à peine d'en sortir, ça fait deux semaines qu'on en sort. Et là, on a un événement pour un peu le nouvel an chinois. C'est ça, l'année du coq. Donc c'est le nouvel événement Blizzard d'Overwatch avec encore ses skins, ses nouveaux modes d'arcade. Ils ont fait une petite refonte du jeu avec des petits ajouts qui font toujours plaisir. Vous savez que dans le jeu Overwatch, vous avez la possibilité de débloquer par le biais des coffres des répliques de vos personnages et puis vous pouvez avoir des tags que vous taguez sur les murs quand vous faites un kill et compagnie. Donc là vous pouviez embarquer une réplique sur chacun des personnages et un tag. Là en plus vous pouvez en embarquer 4 en plus pour la réplique et 4 pour les tags aussi. Donc c'est un petit ajout qu'on ne s'attendait pas à avoir et c'est sympathique. C'est ce qui montre en fait encore que Blizzard ils sont vraiment dans un processus de je vais suivre mon jeu à donf. C'est-à-dire qu'en très peu de temps il y a des événements qui s'accumulent et ça fait pas encore un an et c'est là que je trouve assez impressionnant. Parce que là, du coup, ils ont fait une année en disant on fait le meilleur jeu de l'année, on est le jeu de l'année, on vous fait un événement Noël. Ils n'étaient pas en obligation de faire un événement pour l'année du coq, honnêtement, et ils vous le font. Donc ils ne se reposent pas sur leur laurier, ils continuent à vous proposer du contenu et c'est pas fini. Il y aura sûrement des nouveaux personnages qui seront annoncés. Là, ils vont le suivre un peu à la manière d'un Destiny, mais peut-être même encore plus. C'est un petit peu d'ailleurs qu'avait lancé d'ailleurs ce mode de suivi du jeu. Hein, c'est Destiny, avec World of Warcraft. Donc voilà, bravo encore et continuez comme ça parce que je sais que de toute façon là on est à plus de 25 millions mais ça à cette heure là tous les gens qui sont pas encore laissés tenter par Overwatch ils vont finir par y aller ça devient un jeu qui va finir par être un jeu emblématique de Blizzard et alors qu'on s'attendait pas à ça. Donc voilà, c'était le petit je comptais à revenir dessus parce qu'on l'avait très bien noté et on l'avait il va sortir sur Switch. Non, je pense pas. Je pense que Blizzard c'est pas leur spécialité. Déjà d'un côté, je pense qu'il pourrait tourner lui. Ouais, pas sûr, je suis même pas sûr. Honnêtement, même si c'est du graphisme, je suis pas sûr. Regarde Splatoon ou Mario Kart. Mais même Splatoon est moins joli que Overwatch. Hein. Overwatch, il est dessiné, mais visuellement, il est loin d'être moche. Hein. Ils ont fait un jeu très très propre. Hein.
Il est, ouais, bon, la Switch est pas super forte, mais elle pourrait peut-être. Je suis pas sûr. Et puis Blizzard, c'est pas leur spécialité. Ils ont déjà fait une espèce d'exception en sortant un Overwatch qui était pro. Console pour la base, bon, même s'il est beaucoup suivi sur PC, hein, apparemment, c'est leur console de base. Tu sais s'il y a plus d'utilisateurs sur PC ou sur console? Ah, je sais pas, je pense qu'il y a plus d'utilisateurs sur console, sachant que le marché est beaucoup plus vaste. Ah, le marché. D'un côté, t'as un parc de consoles beaucoup plus installé, je pense, qu'un parc de consoles PC. Parce que quand tu reprends Xbox, et la base c'est 26 millions, PS4 c'est 55 millions, ouais, ça te fait déjà plus de 80 millions. Alors après, tout le monde le prend pas, mais. Donc, devant eux, voilà, ils ont quand même un marché. C'est pour ça, tu vois, tu fais bien de souligner, parce qu'aujourd'hui, il y a les joueurs PC. Donc, ça 25 millions, plus de 25 millions, ça comprend joueurs PC, Xbox One, PS4. Et sachant qu'il y a 80 millions rien que sur les consoles, t'as un marché qui s'ouvre devant eux qui peut être impressionnant. C'est-à-dire que le phénomène ne peut que augmenter. Voilà. Donc, bizarre, ils sont en train de se mettre ils sont en mettre plein les fouilles, et j'espère que vous allez faire un petit film Warcraft avec ça. Donc voilà, moi j'ai fini, j'ai fini mes news. Donc voilà, on va peut-être faire un petit recap sur la Switch. Voilà. Ou parce que comme vous le savez, avec les revues de presse, et puis si vous suivez les actualités de nos confrères Gameblog, jeuxvideo.com, voilà, tous ces dernièrement, c'était un peu l'événement de la Switch. C'est un peu le mois de la Switch parce qu'il y a eu enfin. Ah, alors c'est le mois de la Switch et dernièrement, tu vois, pour en avoir fait quelques-unes, c'est aussi le mois de Xbox où il n'y a jamais eu autant de communication de la part de Xbox. Filou. Communication, ils ont intérêt à pas se laisser écraser. Ils sortent rien en ce moment. On a un projet encore assez flou. Non, on n'est pas flou. C'est flou, mais c'est pas. Il y a pas nécessité d'exprimer plus sur la. Non, après voilà, mais je te dis, c'est flou. On sait qu'elle sera annoncée. C'est flou. Enlève tes lunettes, tu vas voir, c'est flou. Moi, je comprends, je suis dans leur tête et je sais très bien où ils veulent en venir et je trouve. Donc ouais, c'était le mois un peu de la Switch et de la Xbox depuis la semaine dernière, je trouve. C'est vrai. Bon, là, on va pas revenir sur Xbox. Non, ce sera pas le débat. Je vous ai fait un petit, prépare un petit article qui fait un peu le récap de Xbox sur ces 3 ans et sur l'avenir de Xbox en 2017. Donc voilà, ça va sortir dans la semaine. Donc ce sera un article pas du tout engagé. Ça sera un article très engagé. Très objectif. Quand vous les entendez, attention, hein, parce que pour vous dire des tableaux sur la Xbox, c'est une console qui se vend très très bien. Et ils font exprès pour tacler. Attention, Microsoft est loin d'être mort avec sa console. Qui n'a pas de VR. Qui n'a pas besoin de VR, en fait. C'est là, en fait, où malgré tout leur force, c'est que malgré tout, en phase 2, il y a Sony qui présente 3 hardware en très peu de temps, et au final ils sont, enfin je veux dire, tout en t'entends pas dire attendez c'est bon Microsoft ils sont morts, alors même s'ils réserveront jamais à rattraper leur retard. Je pense que la PS4 Pro et le PSVR ne se sont pas vendus tant que ça, parce qu'on a au bout d'un mois et demi, deux mois, voire 3 mois, on n'a toujours pas de chiffre de vente de quoi que ce soit, ça communique pas, donc si ça avait été un succès, les connaissant nos amis de chez Sony, ils seraient déjà en train de se la péter là. Mais oui, et en fait au final, voilà, ils ont peut-être un peu précipité les choses, après c'était dans leur intérêt, parce que si tu présentes ta Pro en face de la Scorpio, c'était mort. Intérieur total. Et ils savaient qu'en face, t'avais Nintendo qui arrivait en très peu de temps. Voilà. Donc il fallait sortir quelque chose et fallait sortir. Et c'est dommage. Et ils se sont un peu gâchés. Un tout petit peu là-dessus, je trouve. Ce qui est bien, c'est que pendant un an, tu vois, ils ont la primauté de dire que c'est la console la plus puissante du marché. Ouais, mais dans la tête des gens, malgré tout, les gens qui savent que Xbox, au moment, parce que c'est les premiers à avoir annoncé en fait leur Scorpio en disant c'est la console la plus puissante qui ne sera jamais sortie actuellement. Au moment, elle sortira. Alors certes, mais. Ouais, mais après, j'ai une info. Attention. C'est une fake. C'est une vraie info. Ok. La PlayStation 5, quand elle va sortir, sera la console la plus puissante du marché. Parce que j'ai fait une annonce. C'est facile de faire des annonces. Au vu de ce qu'on a entendu sur sur ce qui a fuité sur la Scorpio, attention. La 6 sera encore plus puissante que la 5. Non, même pas. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, parce que la Scorpio, ils ont sorti du très lourd, parce qu'on n'est pas très loin d'un PC gaming. Oui, donc allez voir les capacités, parce que ça a fuité, donc on sait pas si c'est officiel. Alors on sait pas, mais sur Gameblog il y a un super article là-dessus, ouais. Ils sont allés récupérer donc la fameuse fuite que Eurogamer ça correspond bien à ce qu'on avait plus ou moins les specs sont pas mauvaises, hein. C'est du 6 teraflop, je crois que ça c'était pas passe, déjà ça on savait déjà. Non, t'as pas mal de trucs qui disent tout ce qui est bande passante. Donc, mais Microsoft sont vraiment dans une dynamique de dire attendez, voilà, vous allez voir, je vais vous sortir la console la plus puissante, mais on verra le prix, on verra ce qui sera proposé, on verra après, on va pas spéculer là-dessus. Voilà, le 3 ça sera une belle surprise, et puis Xbox sera le seul plus ou moins, de toute façon on aura tout le temps d'en savoir un peu plus d'ici là, quoi. Oui, parce que alors que là il y a quand même, voilà, il y aura 30. Parce que vous avez bien vu que c'était un débat qui nous a intéressé. Parce que, a priori, en attendant le 3,
il y a le 3 mars. La sortie de Monsieur, une belle transition. La langue française. Une belle transition. Donc, comme vous savez, on vous avait fait une vidéo pour récap de la conférence. Vous savez qu'il y a, sur les revues de presse, on en a parlé tous les jours en disant c'était le gros bordel en Europe, hein, parce que c'est essentiellement ça touche essentiellement l'Europe. Ouais. Donc, je sais parmi vous, parmi nous. Il y en a un qui s'est laissé tenter à la précommande. Je ne dirai pas qui. Avec notre collègue Nounou aussi. Qui nous a abandonné lâchement. Et dans l'équipe, on est sceptique. On est partagé. Et avis partagé du conseil. Bon, alors, est-ce qu'on balance celui qui a décidé de se précommander? Qui a décidé de précommander? Moi, je pense qu'il ne faut pas le balancer. Ah oui, moi je pense qu'il faudrait le balancer. Moi, je pense. Bon, bah si d'un commun accord, on veut le balancer. D'un commun accord, à part toi. Oui. Bon, bah c'est moi. Donc, pourquoi tu t'es laissé tenter? Qu'est-ce qui t'a laissé tenter sur la Switch pour que tu puisses faire la précommande? J'avais du bif et je voulais... voilà, déjà. Tu venais de tomber sur 300 balles dans la rue. Voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Zelda. Voilà. C'est Zelda, déjà. C'était ton argument d'achat. Zelda. Deuxièmement, le côté je transporte ma console un petit peu partout, portable. Donc pour le coup très pratique compte tenu de ma situation professionnelle. Ah bon. Le déplacement à droite et à gauche. Je vis dehors. Je n'ai pas forcément accès à une télévision. On n'aura pas tous une télé 4K. Voilà. Et je pense que c'est ça fait long. J'ai toujours aimé Nintendo. J'ai eu beaucoup de consoles Nintendo. J'ai squeezé la Wii U qui me plaisait pas. Je me dis que Zelda et tout ce qui va venir derrière, je pense que ça va proposer quelques bonnes expériences. Rien que après, rien ne m'empêche de pour un peu, je vais la vendre 3 mois après. Pour un peu, la Wii U, ça m'avait fait exactement la même. Mal, ouais. La Wii U, je l'avais achetée, j'avais joué à Zelda. Ah, tu l'avais achetée et tu l'avais relancée. Voilà, j'ai joué à Zelda, j'avais pris Mario Kart, j'ai fait 2-3 autres jeux. Et derrière, fin de l'histoire, quoi. Une fois que je m'étais lassé du golf et du bowling, c'était hop, allez, c'est parti, et puis on passe aux choses sérieuses. Ouais. Donc après, on va voir. Hein. Je suis plutôt curieux de voir un petit peu le. Moi, je suis curieux, mais je suis pas chaud du tout. Moi, je suis très très chaud. Toi, j'espère qu'il va. Alors, moi, je suis. Attendez, on va le faire dans l'ordre. On va passer. Monsieur Robert qui a pris la parole. Pourquoi toi ça t'a refroidi de pas justement. T'as vu la conférence. J'ai rien compris. Le prix, déjà. Ok. C'est excessif qui fait que faire des yo-yo. Ouais, en Europe. Voilà. Après, en jeu, on a Zelda, mais moi je suis pas fan. Enfin, clairement, je l'ai jamais fait. Ok. À côté de ça, t'as Super Mario, mais qui arrivera en fin d'année. Donc pour l'instant, je vois pas pourquoi j'achèterais là où. Mario Kart ne te tente pas plus que ça. Sans plus, quoi. C'est pas de faire du Mario. Ouais, c'est ça. J'achète la Wii à 30 balles et puis je suis du Mario sur la Wii. Je ne vais pas m'acheter une Switch à 300 balles. Après, visuellement, ton Mario sur la Wii sera oui, pas le même. C'est sûr, mais bon, c'est la Wii, enfin la Switch, là, après avoir ce qu'ils vont faire, là, je sais qu'ils vont faire un Skyrim, du coup, dessus. Bah, c'est oui, pareil, c'est pas des jeux qui m'intéressent plus que ça. J'ai failli appeler mon chat. C'est la Switch. Donc non, ça m'en va pas du tout, hein, pour l'instant. T'es pas tenté, quoi. Non. Ça peut être une très bonne console. Ouais. J'espère que c'est plus une console portable qu'une console de salon. Ouais. Peut-être qu'ils vont faire un Pokémon dessus, pourquoi pas. Ça serait fatal. Ça serait intéressant, ouais. Ouais, je pense. C'est un flanc. Ouais. C'est aussi un fin de lance. De toute façon, c'est Nintendo. Ils voulaient pas faire un Sonic aussi du... Il y a des jeux Sega. Sonic, ça fait un gros. Alors, Sega a affirmé qu'il ferait des jeux dessus. Hein. On a vu une vidéo dessus de Sonic, il me semble. Sonic, ça fait un gros que c'est dobé, les gars. Quand même. Ouais. Ça dépend. Après, c'est un gros. Le dernier, c'était quoi? C'était sur la vraie Dreamcast. Ouais, c'est vrai. Mais tu savais pas, mais tu sais que tu total. Bah si, enfin, justement, je disais la vraie Dreamcast, d'accord. Mais... Bah écoutez, mais arrêtez, vous vous donnez mauvaise image, bordel, alors qu'ils ont fait une super année, là. Oui, c'est vrai. Ils ont fait une super belle année. Parce que sur la nouvelle année. Bordel, oh. Mais cassez-moi, bordel. Je reste pas dans cette équipe si vous racontez des conneries. On est des professionnels, maintenant. Tout fou, ma gueule. Non, mais parce qu'on est en 2017 et que pour le moment ils ont pas encore dégainé. Non, mais ça arrive, on va aller. Ils prennent le temps de vous caresser de gentiment. C'est les seuls pour le moment. Et puis vous achevez derrière. Ils ont sorti un nouveau câble HDMI pour relier ta console à la télé. Oh, regardez, lui 10 ans. Je suis à ça de foutre tout en l'air. Hein. Non, mais oh. C'est pas. Oh. C'est oh. Oh. Il n'y a plus de répartition. Non, mais oh.
Donc, voilà. Voilà. Bon. Donc voilà, c'était pour ça que. Et toi, Yomi, alors, Switch. Moi, j'étais méga chaud à l'annonce du trailer, ouais. Qui était sorti en octobre ou en novembre. J'étais chaud patate, genre, ça me chauffait grave. La conférence, ça m'a un peu refroidi. Il y a quelques côtés où ça. Bah, alors déjà le prix, hein, qui moi me gonfle. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Tous les jours, il y a une nouvelle news qui dit qu'un coup c'est 300, un coup c'est 310, ouais. Un coup c'est 320. L'autre, tiens, t'as Amazon qui dit ah bah tiens, la FNAC aujourd'hui ils sont 305. Bah vas-y, on va le mettre à 302. Non, ouais, c'est n'importe quoi. Sans déconner, heureusement que les autres constructeurs PlayStation et Xbox, ils imposent le prix quoi. Ouais, c'est ouais. Clair. Putain. Ils imposent le prix. Ce sera pas plus que ça quoi. Enfin, il y a un moment, faut rentrer dedans et dire mais merde, c'est comme ça quoi. Faut arrêter de laisser les revendeurs choisir les prix qu'ils veulent revendre quoi. Il y a un moment, faut mettre un mec à la tête. Au moins sur la première année. Après qu'il y en ait un qui vend plus cher, je comprends. Mais sur la première année, au moment de la sortie, c'est prix unique pour tout le monde quoi. Parce que faut pas oublier qu'à 330 balles la console, donc au moment où elle sort. 330 balles, si juste ça, bah vous ne vous en servez pas quoi. Faut rajouter un jeu. Ouais. Donc bah tu passes à du 60-70 balles. Donc c'est déjà quasiment arrivé à 400 €. Moi je peux pas tout le temps jouer sur portable. J'adore le côté portable, mais ouais. Moi j'adore jouer sur manette. Donc je vais forcément m'en servir en format console. Donc pour adapter les deux Joy-Con, le petit adaptateur, c'est 40 balles. Donc on est déjà à 440 balles. Bah vous regardez en face PlayStation et Xbox proposent des consoles qui sont des consoles donc où le niveau graphique c'est superbe, l'expérience de jeu donc ouais, toute ça. La ludothèque qui est déjà installée depuis le moment depuis 3 ans qui sont sortis c'est là, les éditeurs tiers sont dessus, c'est gagné, ils ne les quitteront pas. T'as des cartouches comme du Halo sur Xbox, tu vas avoir du Uncharted sur PS4, donc c'est des expériences graphiques. The Last of Us qui va pas tarder à arriver. The Last of Us qui va arriver. C'est des expériences où graphiquement c'est très joli, c'est les fers de lance de console et c'est ce qui rythme les sorties de jeux vidéo et c'est ce qui fait le jeu vidéo d'aujourd'hui. Donc ouais, graphiquement j'étais un peu déçu. Je trouve qu'ils retournent un peu dans leur vieux travers du Joy-Con. Ouais. Donc c'est une autre expérience. C'est une autre expérience. Alors, on peut moi, pas la classer comme. Mais tu vois, moi ce qui me gêne c'est que. Je me rappelle de Nintendo quand j'étais gamin où quand tu disais j'ai la Nintendo 64, tu savais que c'était les meilleures consoles quoi. C'était les consoles qui étaient les plus fortes. Et je trouve que ça fait quelques années où Nintendo est un peu sur le teco. Ils sont décrochés, il y a une guerre Xbox. Ouais, mais tu vois, moi je pensais qu'avec cette console là, c'était la façon de revenir et de dire bon les gars. On a retenu en fait les anciennes erreurs, et on arrive et on est là pour se battre quoi. Et non, je trouve qu'en fait ils continuent à s'enfermer dans ce marché de niche qui est sur le teco. Ouais, alors qui fait qu'en fait arrivaient sur quelque chose qui faisait exactement la même chose que Xbox et PlayStation, sachant que toi t'as déjà ou une Xbox ou une PlayStation ou les deux, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Bah tiens, je vais prendre une Nintendo. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus dans les mêmes graphismes. Non, parce qu'ils ont malgré tout. Il faut. Dans ce cas, ils ont voulu. Dans ce cas, ils arrêtent de faire des consoles de salon. Alors, ils fassent que des consoles portables. Ah mais attention, déjà avec cette console-là, ils vont. Parce que non, mais c'est ce que tu vois, c'est ce qu'on ressort de plus en plus, et puis c'est dans le versus de Gameblog où je trouve que c'est vachement bien ressorti. C'est que c'est une très belle console portable. C'est la plus belle console portable qu'on a jamais vue. Ouais. Et graphiquement, j'ai hâte de faire mon Zelda dessus, j'ai hâte de faire mon Super Mario dessus. Et c'est une console que je vais prendre parce que je me connais, que je vais craquer, que je suis faible et que je vais encore me foutre dans la merde financièrement, mais rien à branler. Donc je sais que je vais me la prendre. Mais ça me fait chier parce que je me dis, mais merde, putain, arrêtez de faire. C'est une fausse console de salon. Pour moi, c'est une fausse console de salon. Alors, c'est très bien dans le sens où c'est une console que tu peux choisir de faire en console de salon et que tu peux faire en console portable. C'est portable. Ça, c'est très bien. Mais c'est une fausse console de salon. C'est une très jolie console portable. Ok. Mais du coup, ça va peut-être tuer aussi la 3DS derrière. Mais non, mais c'est fini. C'est terminé la 3DS. Là, le but de la Switch. C'est pour les enfants la 3DS. Non, le but de la Switch. Non, alors par contre, ça, c'est le point positif de la Switch. Pour moi, c'est qu'en fait, du coup, comme le salon et portable sont réunis, ça veut dire qu'il n'y a plus deux équipes différentes. Une équipe qui développait sur portable et une équipe qui développait sur salon. Là, ça veut dire que les équipes sont unifiées comme c'est le même jeu. Et ainsi, dernier truc, le retour au format cartouche qui, normalement, ça évite les temps de chargement. Et ils vont pouvoir nous en mettre d'autant plus. Des bonnes cartouches.
des bonnes cartouches bien profondes dans nos salut. Et ils ont déjà titillé beaucoup la langue française aujourd'hui. Mais ouais. Moi, il y a beaucoup de points négatifs qui font que ça me plaît pas et où je trouve que ouais, faut arrêter de s'emballer sur les prix, les gars, mais sans déconner, mais regardez. Putain, mais balayez devant votre porte, regardez le prix des accessoires quoi. Enfin 50 balles le prix de la manette, enfin juste pour adapter tes deux Joy-Con. Putain, mais 50 balles quoi. 15 balles la dragonne. 15 balles la dragonne. Ah ouais, mais quand tu regardes à côté en face chez PlayStation ce qui se fait ou chez Xbox, ta manette, donc la manette, je vais prendre la manette de l'Xbox parce que pour moi c'est la meilleure. C'est la meilleure. L'Xbox One parce que au niveau des c'est ressentis. Pas la non, c'est mais pas la Nacon. Eh, mais si tu reprends, tu dis ça, mais la Nacon elle a plus ou moins. Alors, en elle fait, elle quitte quoi ? Elle quitte la forme PlayStation et après on peut plus ou moins la forme. Pour revenir sur le prix de la manette, tu vois une manette de Xbox One donc qui est réellement embarquée de nouveau matos, qui de base est vendue à 50 balles, mais c'est une vraie manette. Ah oui. C'est pas une fausse manette quoi. C'est pas un adaptateur sur lequel tu viens glisser tes Joy-Con. Ah c'est clair. Bah putain mais les gars, regardez. Ouais, c'est sûr. Regardez ce qui se fait en face quoi. Et vous, enfin, regardez les parcs installés de vos deux concurrents. C'est-à-dire qu'il y a déjà 80 millions d'utilisateurs. 50 et quelques millions pour PS4 et 26-28 millions pour Xbox One. Donc malgré tout, même s'il y a un écart. C'est pas dégueulasse. C'est les chiffres actualisés, ça ? Oui, c'est les chiffres actualisés en janvier. C'est les chiffres actualisés, voilà. Donc c'est deux consoles qui se vendent. Dont les parcs qui sont installés, c'est sûr que les éditeurs tiers, tu les as, tu as les exclusivités de chaque console. On se fout pas de ta gueule, tu peux. C'est con, mais t'as Netflix dessus. Bah là, ça ne l'accueille pas à l'arrivée. Tout con. Alors que celle-là sur le Wii U, c'est disponible. Ça les a sur les deux. Non mais même Netflix sur Wii U. Est disponible sur Wii U. Ouais. Mais ils l'auront pas à la sortie de la Switch. Ouais. Ça c'est sûr ça qu'ils l'auront pas. Ouais, apparemment. Ouais. La news est tombée donc. Ouais mais sinon ils sortaient leur Switch lorsqu'il y aura la Xbox 1000, la PlayStation, je ne sais trop quoi. Ils sont un peu lents quand même. Ouais mais tu vois c'est ça qui m'agace, c'est que bah pour moi ils sont pas vrais combattants quoi. Et dans ce cas bah c'est tout con mais je vais rejoindre Cyril Drevet qui disait ça c'est bah que Nintendo arrête de faire des consoles et soit que des éditeurs. Comme ça, ils choisissent une console. Par exemple, tu sais que ça fait un moment que Microsoft essaie de récupérer des licences Nintendo. Ouais, ils sont intéressés. Bah, dans ce cas, Spencer, il est très intéressé par les expériences. Ne faites plus de console de salon, faites juste une console portable et, faites des jeux. Je serais pas entièrement d'accord avec toi. Donc moi, je vais dire pourquoi je suis pas chaud à la sortie de la Switch. Pour beaucoup de raisons comme vous venez de le dire. Moi je trouve que l'idée, alors sur le papier même sur la réalisation, elle est pas mauvaise, c'est une hybride, c'est une façon aussi de se démarquer comme tu disais Comar, des éditeurs qui sont en face, enfin des constructeurs qui sont en face comme Xbox et PlayStation. Après moi voilà, le point négatif il est clairement aujourd'hui Nintendo, ils sont comme tu dis dans un, moi je trouve qu'ils sont très prétentieux et ça me dérange. Ils communiquent très mal, ils sont quand tu vois aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Xbox, où Phil Spencer est constamment sur les réseaux sociaux. Il met les choses au clair tout de suite. Il laisse très peu de flou qui sont importants. Quand il faut éclaircir, il éclaircit direct. Les prises de position chez PlayStation et chez Xbox, elles sont fixes, elles sont nettes. Il n'y a pas à tergiverser. Plus chez Xbox que chez Sony d'ailleurs. Chez Xbox. Parce que chez Sony, ils ont tendance à laisser planer le doute. Alors, qu'à voir avec la PlayStation. C'est aussi dans l'histoire de la Xbox One quand elle est sortie, c'est qu'il y avait un flou pour les consommateurs qui a fait que maintenant, aujourd'hui, Phil Spencer a décidé qu'il y aurait plus flou pour les consommateurs et qu'il réglerait les choses directement. Donc, il vous répond tout de suite. Et c'est régulier. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Phil Spencer. Mais là, Nintendo, ils font une erreur stratégique, surtout en Europe, où en fait, ils ne règlent pas le problème. C'est-à-dire qu'ils laissent traîner ce doute persistant. Ils montrent, moi, je trouve que ça fait aussi un côté très prétentieux, je m'en fous. Je laisse complètement à l'abandon les pays européens. Il n'y a pas de prise de position en disant, écoutez, alors que Nintendo, ils ont tendance à montrer que c'est les patrons. Et là, ils rien s'en foutent. Mais rien à secouer. Enfin, tu laisses que cette erreur-là, elle soit sur 2-3 jours et que tu dises, bon, merde, là, peut-être le moment de le venir. Et là, les mecs, ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Ça fait quoi? Dans une semaine et demie que c'est comme ça? Une semaine et demie. Que la Switch a été annoncée. Que la Switch, le yo-yo avec le prix. Le yo-yo, il a démarré dès l'annonce. Voilà. Donc les mecs, ils sont pas venus prendre les prises de position. Je te rappelle pas, dès le départ, en fait, dès le moment de la conférence. Moi, je trouve pas ça normal. Que tu laisses planer le doute. Que tu laisses planer le doute sur les consommateurs que tu dises rien, c'est pas normal. Et c'est pas normal, surtout pour un géant comme Nintendo, de ne pas interagir là-dedans. Donc ça, c'est le point noir. Et secondo, c'est le prix.
Je veux dire, aujourd'hui, le consommateur, il est, malgré tout, il y a des dépenses qui, sur le jeu vidéo qui sont très importantes. Tu proposes tous tes accessoires qui sont pas non plus folichons. Enfin, excuse-moi de le dire, mais il y a là-dessus folichons. Nintendo. Enfin, encore, tu arriverais avec une panelle de couleurs, une panelle d'exclusivité, un truc impressionnant. Enfin, honnêtement, ok, tu serais le roi du monde sur les accessoires. Mais là, tu forces. Moi, j'aime pas qu'on force le consommateur à prendre des accessoires parce que ça va être nécessaire. Moi, quand j'achète une console, c'est comme les jeux. Je veux avoir l'intégralité. Je veux pas me dire, faut que je rajoute. Nintendo, ils ont oublié qu'ils ont foiré leur dernière console. Ils ont oublié qu'ils n'étaient pas les seuls, quoi. Ils ont oublié qu'en face d'eux, il y a PlayStation qui s'est fait et Sony qui se sont fait, des couilles pas possibles en or et ils ont de l'argent qui sont. Et ils se sont refait une réputation. Ils se sont fait une réputation. Il y a Xbox qui traînait de la patte, qui aujourd'hui qui a eu les capacités financières de revenir dans le jeu et revenir dans le game et qui aujourd'hui, malgré qu'il y a un écart immense, ils sont là hein, parce que 28 millions, c'est énorme. Je veux dire, aujourd'hui, malgré tout, même si le parc installé n'est pas aussi grand que PlayStation, c'est loin d'être ridicule. Ils arrivent, ils n'ont pas encore tout lâché. Enfin, là, moi, je comprends pas la position. Quand tu fais attendre tes consommateurs, tu dis, écoutez, les gars, je vous fais attendre, mais tu arrives avec l'intégralité. Tu n'arrives pas en disant, bah, ok, il faudra rajouter tant. Enfin, tu es en train de te tirer une balle, quoi. Quand tu regardes juste le prix de la console de base, donc 330 balles, donc graphiquement, hein, c'est tout con, mais il faut revenir là-dessus parce que c'est quand même ce qui anime beaucoup les joueurs, c'est qu'on est sur du graphisme. PS3 360. Non, t'es un petit peu au-dessus de PS3 360. Ah non, c'est pas normal. Tous les jeux, hein. Pas pour tous les jeux, mais plus ou moins. Le fait que ça te berne, c'est que c'est beaucoup de cartoons. Ouais. C'est ce qui fait que tu vois pas les. Enfin, moi je suis. Parce que The Last of Us de PS3, je suis pas sûr qu'il le fait tourner, hein, le truc. Hein. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas où est-ce qu'ils veulent en venir. L'idée est super bonne. Et en fait, clairement, en fait, il n'aurait pas fallu sortir une console de salon. Vous n'avez pas réussi sur la Wii U. Je pense qu'il était temps pour vous de vous dire peut-être que la console de salon, ce n'est pas notre spécialité. Malgré tout, vous avez une belle histoire de console de salon. Mais là, on vous retient le plus, c'est l'expérience sur la portable. C'est-à-dire que la Game Boy, la Nintendo DS à l'époque était une révolution. La 3DS aussi, hein, ça a été moins marché, mais c'était quand même des ajouts. Vous êtes connu pour avoir un marché et vous êtes attendu sur de la portable. Très bien, vous la mettez sur du salon. Mais au final, il n'y a pas une belle autonomie. Il n'y aura pas une belle autonomie, ça c'est une certitude. Ça va être du 3-0. Ça va être très très vite bâclé. Alors que malgré tout, avant, on pouvait embarquer votre console sans souci. Enfin, je veux dire, moi je comprends pas où vous voulez en venir, vous n'êtes pas clair dans ce que vous dites, vous êtes un peu perdu, et puis vous avez l'impression. En fait, vous avez l'impression qu'on vous attend encore. Et c'est ça le problème. Je pense que vous avez l'impression qu'on attend. Les gens. Enfin, je pense que Nintendo se dit, les consommateurs nous attendent. On ne vous attend plus, en fait. Parce que aujourd'hui, malgré qu'on n'ait plus notre Mario ou qu'on n'aurait plus notre Zelda, enfin, honnêtement, on arrive à s'en passer parce que les expériences qui sont proposées chez les autres sont plus intéressantes au niveau du contenu. Ouais, ça arrive à faire tampon, en fait. Ça veut dire qu'à nous permettre d'oublier que, bah oui, on était des fans de Mario avant, mais on peut s'en passer, quoi. Je trouve qu'ils traitent trop de sujets, ils vont sur le mobile, ils vont sur. Enfin, je pense que votre ligne, elle soit linéaire et qu'elle ne perde pas avec la prise. Enfin, le prix, moi, je trouve ça hallucinant, quoi. Vous étiez là. Mais moi, quand j'avais acheté la 3DS, mais je trouvais ça scandaleux que le chargeur soit pas fourni dans le pack, quoi. Je trouvais ça scandaleux, quoi. C'était un scandale. Tu t'achètes une console, t'es obligé d'acheter le câble pour recharger. Pas normal. Pour le prix que ça coûte. Pour le prix que ça coûte. Ouais, c'est clair. Votre Wii U, vous l'avez pas baissé, quoi. C'était un échec total. Vous l'avez pas baissé. Alors qu'ils ont le pognon. Je veux dire, les Amiibo, ils en ont vendu par palette et. Là, honnêtement, je comprends pas où vous voulez en venir et vous êtes en train de vous tirer une balle monumentale, quoi. Moi, je suis pas. Je dis attention. Enfin, peut-être qu'au début, au lancement, ça va marcher parce que les fans seront là. Mais comme disait Comar, ça se trouve. Il n'y a rien qui va empêcher de la revendre derrière. Je suis curieux de voir. Après, moi, je reste curieux parce que les expériences. Moi, j'adore Zelda. J'aime beaucoup Zelda et puis. C'est un monde ouvert en plus. C'est un monde ouvert et moi, il y a certains Zelda où j'ai du mal parce que je trouve qu'il manque des choses et là, concrètement, vous allez me mettre. Ce qui me manquait dans les Zelda va être présent dans le nouveau Zelda, donc ça je suis super intéressé. Je suis un grand fan de Mario Kart, mais honnêtement, moi si ça vaut pas le coup. Enfin, ce qui me retient, c'est le mois de décembre prochain est vendu. Tu sais qu'il y a la Scorpio qui arrive, qui te dit, et c'est tout, c'est officiel, ça sera aujourd'hui la plus puissante console qui va sortir. Donc, à le tarif
sera un tarif qui sera un peu plus cher que les consoles actuelles, mais apparemment, qui nous dit que le prix sera pas aussi excessif que tout le monde à quoi s'attend. Là, il serait très très fort en arrivant avec un 500 balles. Hein. 500 balles. Mais je veux dire, voilà, moi, concrètement, l'expérience 4K, elle est aussi intéressante. Le PlayStation VR. Les achats de groupe. Hein. Et puis, de toute façon, Microsoft, ils en sont capables. Ils achats, les... C'est de l'achat de gros. Hein. Comme tu achètes plusieurs composants, et puis, t'as des rabais sur des trucs, et donc t'es large. Ils ont suffisamment les moyens, les connaissances pour pouvoir avoir des rabais. Hein. C'est qu'aujourd'hui, ce qui aujourd'hui est capable. Moi, je pense pas parce que regarde le prix de la Xbox One S aujourd'hui, elle est à 250 balles. Ouais. Donc tu doubles, donc t'es à 500. C'est-à-dire que t'as une grosse différence entre ta version de base et ta version upscalée. Ah. Donc 500 balles, c'est pas impossible de l'envisager. Ils sont là pour montrer qu'ils sont pas morts. Je pense qu'ils iront pas au-delà des. Leur Xbox One S a montré qu'elle était en fait très puissante et qu'ils avaient bien bossé. Ils ont montré qu'ils étaient encore dans le game. Et la Xbox Scorpio va venir asseoir leur position en disant on n'est pas décédés, les gars. On est totalement dans le game. On est encore là. Quoi. Et ils arrivent à se complaire maintenant dans une place de numéro 2 qui leur va aussi très bien. Quoi. Mais moi, Nintendo, je dis attention. Vous arrivez sur un marché où vous avez déçu avant et vous arrivez avec un prix qui est trop excessif. Et pour moi, c'est pente glissante. Et moi, ça me refroidit parce que moi, j'ai eu la GameCube, j'ai eu la Wii, je m'étais pas pris la Wii U, j'avais la 3DS. Ça sent la carapace. Enfin, malgré tout, je fais partie. Sur Dreamcast. Je trouve que la mini NES, elle était encourageante. Et ah ouais, moi, franchement, j'étais l'un de ceux qui croyaient le plus, je pense, sur le dernier podcast. Quand on en avait parlé en disant, c'était juste avant l'annonce de la Switch. Et j'étais méga emballé en me disant putain c'est cool, ils sont en train de revenir sur ce qui a fait que ça a merdé sur Wii U. Ouais. Et ben bah, à la sortie de la conférence et plus on avance dans le temps, et ben bah, plus j'ai l'impression qu'ils sont carrément en train de ressortir leur vieux travers. Et tout le côté hype qui était là, bah, il est en train de redescendre comme un vieux soufflet des glaces. Et c'est un peu la douche froide. Après, peut-être qu'ils vont surprendre. Un jour il arrivera à nous surprendre avec la Wii U et à faire un truc différent. Tiens les gars, le jeu que vous attendez le plus en 2017, c'est quoi? Death Gun. Zelda. Parce que je vous rappelle juste qu'il y a un Red Dead Redemption 2 qui arrive. Oui, c'est Red Dead. Et il sera pas sur Switch. Dessus, et c'est là qu'il va faire. C'est ce qui va faire que clairement, même Assassin's Creed, il sera pas dessus. Donc clairement, Assassin's Creed, il va arriver cette année, ça fera. Hein, et s'il arrive, j'espère qu'il arrivera cette année, c'est pas sûr. Mais s'il arrive cette année, les gens, ils ont la dalle là. Ils l'ont pas eu. Il y a eu le film qui est sorti, les gens, ils vont vouloir qu'une seule chose, c'est Assassin's Creed aussi. Et ils l'auront pas. Parce qu'ils seront pas en capacité de pouvoir l'afficher. Et ça, c'est pas normal. Sauf si Ubisoft fait vraiment une très belle seconde console de salon. Ça fait une bonne seconde console de salon, sauf qu'elle est plus chère aujourd'hui que ta console principale. C'est pas normal, quoi. Puis c'est vrai que pour des expériences de niche. Parce qu'un Mario Kart, c'est très bien, moi j'adore y jouer. J'y joue avec mes potes, quoi. Mais j'y joue pas tout seul. Tout seul, tu fais pas 4 heures, quoi. Tu fais pas 5-6 heures dessus et d'affilée, comme quand t'as une histoire où tu restes accroché dedans. Zelda, éventuellement, mais... Zelda, c'est le seul. Zelda, voilà. Mario. Après, ils ont présenté un Splatoon 2, donc ça fait plaisir. Il y a Army qui a l'air pas mal. One to Switch, je suis pas sûr que ça soit. Il s'arrête sympa, mais c'est une petite expérience. C'est encore. C'est pas un vrai jeu. C'est pas un jeu. Pour moi, ça devrait être dedans, enfin automatiquement. Oui, pour moi, ça devrait être un. Tu sais, les petites expériences de base qu'elles proposent dès le départ. Je me rappelle de PlayStation au moment où est sorti la PS4. Rien qu'au Sport, où t'avais Réseau Gun sur PS4 quand il est sorti. Enfin, c'était des petites expériences que tu lances comme ça, là. Ouais, mais ça fait plaisir. Enfin, ils ont toujours. Enfin, je trouve. Et là, on va te le vendre 30 balles. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont quand même des bonnes idées. Enfin, honnêtement, pour le coup, la Switch, elle est super intéressante. Elle est hybride. C'est ce qui donne aussi envie d'y croire et qu'elle a envie qu'elle marche, quoi. De se dire, c'est une belle console portable, c'est une console de salon. À côté, malgré tout, les Amiibo, c'était une super bonne idée. Je trouvais que c'était une façon de. Moi, j'ai toujours accrippé au univers Amiibo. Je trouve que malgré tout, c'est aussi une façon d'avoir pour les. Tu sais, quand t'es gamer, t'aimes avoir les goodies. Ben là, ouais, c'est dans le même genre. Et là, ils sont bien faits, ils sont jolis. Après, tu les prends pas tous parce qu'ils sont pas tous. Et qu'ils sont excessivement chers. Et puis, ça vaut pas le coup dans toutes les expériences, mais quand t'as Super Smash Bros. Enfin, je veux dire, ils valent vraiment le coup d'avoir un amiibo parce que quand tu vas chez un pote, ton amiibo il a enregistré tout et tout enregistré tes façons de combattre. Je trouve que l'idée est super bonne, mais bon, enfin, ils ont encore dans la cash machine à donf, il n'y a que ça quoi pour eux. C'est la seule chose qui compte. Et là où en fait ils font pas leur différence, c'est que malgré tout, PlayStation, Xbox One, ils arrivent à comprendre ce que veulent leurs joueurs et ils leur donnent ce qu'ils ont envie et eux ils nous donnent pas. À part Zelda, voilà.
Mais sinon, niveau prix, ils pensent pas à nous, quoi. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Peut-être qu'il y aura quelque chose après, on sait pas. Surtout qu'en plus, je suis... ils sont pas connus pour la Wii U. Je suis sûr que c'est qui. Je suis sûr qu'ils ont des marges comme pas possible. En plus. Mais ouais, c'est ça le pire, c'est que les mecs ils sont des marges pas possible. Ils sans déconner, 15 balles la dragonne, faut arrêter de fumer, les gars. Sans déconner, ça vous coûte. Ficelle, moi je te colle. Quoi, 2 balles à produire, max. Je me lance 2 balles à produire, à exporter. On va fabriquer nos ficelles. On va fabriquer nos dragonnes, tu vas voir. Bah, j'ai des vieux slips là, je dois bien pouvoir récupérer le cordon. Avec un slip, tu fais une dizaine de dragons. Non, tu récupères des vieux lacets, des vieux chaussures, tu vas tu récupères. Allez, hop, Maus, c'est cadeau. Tu payes 2 balles de lacets et puis tiens, tu voilà. Les Stampede Master Geek avec un vieux feutre. Et voilà. Et puis tu le vends ça à 5 euros, même c'est pas cadeau. 3 euros. 3 balles. Non, donc voilà. Ouais, bon, on verra en mars. Écoutez, en espérant que d'ici là, Nintendo soit vraiment arrivé en disant écoutez, maintenant c'est nous qui décidons, et qu'ils aient enfin une prise de position commerciale là-dessus, puis en espérant qu'ils ne nous laissent pas dans le flou, mais moi j'ai l'impression qu'ils vont nous laisser dans le flou très longtemps, et qu'on va pas en savoir plus, et qu'à la sortie, en fait, tu ne sauras pas si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Je suis persuadé que ça va être ça. Et que c'est dans 6 mois qu'on te dira, bah, en fait, il y a ça qui va arriver. Il ne fallait pas l'acheter. C'est de la dope. Quand t'arrives avec, quand t'as fait une très belle année de console avant et que t'arrives avec des fans qui sont vraiment positionnés en disant voilà, je peux faire confiance à Nintendo, t'es ok, c'est acté. Ouais, sur la génération précédente, mais sur la confiance. Ils ont cassé la confiance. Ah bah oui, parce que regarde sur l'année dernière, donc dernière année de vie de la Wii U, bah je me rappelle pas d'un jeu qui est sorti dessus quoi. Tu sais très bien qu'à la fin des. Quand ça, quand ils, donc en fait, la Wii U est morte pas l'année dernière, elle est morte l'année d'avant. Hein. Quand PlayStation et Xbox One, quand PlayStation et Xbox vont dire on sort une nouvelle console, il y aura toujours la confiance des deux constructeurs. Tu te diras, je sais, si, même si t'es dans le flou, tu te diras je l'achète. J'ai confiance. Ah oui. Quand tu vois qu'X. Bah moi, PlayStation, j'avais pas hésité. PlayStation, même Xbox, je veux dire, Xbox, ils étaient dans un total flou au moment de la sortie. Ouais. Les gens, ils étaient paumés, ils savaient pas ce que t'allais avoir. Les gens ont quand même suivi et ils t'ont montré qu'ils étaient capables de se redresser. Et PlayStation a su montrer qu'ils étaient capables aussi de t'apporter des nouvelles expériences, comme le PlayStation VR. Bah, la confiance. Et qu'ils étaient capables d'arriver en force alors que sur la génération précédente, ils étaient faibles. Tu vois, qu'ils te laissent pas tomber. Xbox, combien de fois ils auraient pu dire bah c'est bon, on lâche. Mais non, ils ont pas lâché l'affaire. Ils t'ont sorti des jeux qui étaient présents, des exclusivités qui étaient importantes. Avec tout comme, le flow. D'où l'importance d'avoir un bon départ, quoi. D'où l'importance. Parce que franchement, Xbox aujourd'hui, ils ont quand même la chance. Bah, j'espère. En fait, l'écart, ils le payent premiers mois de. Ah bah ouais, c'est ça. De commercialisation. Et ils ont la chance, en fait, d'avoir aujourd'hui Phil Spencer qui, malgré tout, fait que Xbox est Xbox aujourd'hui. Bah, parce que ouais, c'est une figure emblématique. Il fait le boulot quand même. Hein. Mais, Il bosse, quoi. Il s'arrête. Ça veut dire pas, qu'il quoi. Bosse pour plusieurs, lui. Hein. Il te commercialise. Apparemment, il aurait testé la Scorpio. Ouais, il a testé la Scorpio. Apparemment, il est emballé. Et a priori, d'ailleurs, juste comme ça, c'est que le jeu. Enfin, la Scorpio, elle affiche du 4K natif. Hein. Donc vos jeux, c'est en 4K natif. Hein. C'est-à-dire que toi, qui as une télé 4K, tu vas être. C'est pas de. C'est pas la PS4 Pro, ça veut pas te faire un upscale. Ça veut dire que c'est un jeu qui est en 4K, qui est développé 4K. Voilà, aujourd'hui, c'est. Il n'y a pas intérêt. De quoi ? Qui te paye plus cher. Est-ce que le jeu, tu paieras pas plus cher comme du coup non, 4K. Je suis non. Ouais, y a pas intérêt. Non, parce qu'ils sont partis sur le principe que tu pourras avoir le jeu sur tes deux consoles. Ah oui, c'est vrai. Et que d'un coup, ils feront pas de concession. Donc il y aura ouais, ce sera comme le système PS4 Pro où on te propose dès le départ si tu veux un upscale ou non. Voilà, c'est ça. De toute façon, Microsoft, ils te montrent bien qu'ils ne sont pas dans la cash machine non plus. Parce que les consoles, ils ont su les baisser. Oui, ils les ont baissées souvent d'ailleurs. Et très souvent. Rien qu'avoir avec la Xbox One S, ils avaient des très beaux packaging avec. Ils avaient des très beaux jeux, ils avaient fait des belles consoles. C'est pas faux. Ils t'ont proposé une Xbox One S qui avait la possibilité de personnaliser ta manette. Qui était fatale. Ça me fait penser à un truc tout con, c'est que si, il y a la Switch. Payant tous les mois maintenant, les gars. Ah bah oui, le live. Abonnement en live. Mais sauf que les jeux qu'on vous offre chez les autres, donc qu'on vous donne, hein, tous les mois, en fait, une fois que tu continues de payer, tu as accès à cette ludothèque. Hein. Ouais. Sur Switch, ton jeu, c'est sur le mois. Après, c'est fini, il est bazardé, c'est un nouveau jeu le mois d'après. Et là, tu te dis, mais tu peux pas y jouer, terminé. C'est concurrent, ils font quelque chose de mieux, et toi, tu fais encore pour le même prix. Tu fais la merde. Et là, tu vois vraiment le côté, en fait. Bah, pognon, j'en ai rien à foutre des joueurs. Mais ça, je sens qu'on en avait gros sur la patate. Hein, moi, j'en ai gros sur la patate sur la suite parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir. J'étais content, Nintendo, c'est vraiment une licence que, en fait, t'attends beaucoup d'eux parce qu'ils sont c'est eux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo et qui font qu'aujourd'hui, on est encore fan du jeu vidéo. C'est ceux qui t'ont marqué les plus belles expériences. Honnêtement, si tu prends sur toutes les années de jeux vidéo, c'est là les plus beaux souvenirs, c'est sur les Mario Kart, c'est sur les Game Boy avec ton Pokémon. Enfin, c'est les plus belles expériences.
Mais honnêtement, dans 20 ans, est-ce qu'on dira encore ça? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, on dira. Les générations ont changé. Oui, les générations ont changé. Aujourd'hui, c'est, les générations qui ont 13 ans, ils n'ont pas connu l'époque de la Game Boy qui était le fleuron de Nintendo. Ils n'ont pas connu la GameCube qui était juste à l'époque énormissime. Et c'est con, mais tu lui demanderais à un gamin tu t'achètes la Wii ou tu t'achètes la PS4? Bah, il va te dire la PS4. Bah oui. Ah bah oui. C'est un peu normal. Donc. Voilà, moi je dis, ouais, c'est bien, vos fans ils sont là, mais elle est vieillissante et qu'aujourd'hui vous tapez pas assez chez les jeunes et que les jeunes ils ont pas du pognon à plus en. Hein, je regardais le temps. Ils ont pas du pognon à lâcher comme ça, quoi, à l'appel, quoi. Les gamins que vous avez pas réussi à marquer sur la Wii U, bah, que vous devez marquer sur la Switch parce que vous devez assurer une pérennité sur l'avenir, bah vous adressez pas du tout à eux, quoi. Ah, et non, c'est pas normal, quoi. Mmh. Voilà. Pas du tout. Voilà, c'était mon coup de gueule, je me casse. Mon casse. Bon, voilà. Écoutez, c'était un podcast très différent, mais que j'ai trouvé moi plutôt sympathique, bien dans l'échange. Et, ouais. Donc voilà, écoutez, on se retrouve bientôt. Qu'est-ce qui va venir sur notre chaîne et sur nos articles? Let's Play. Donc Let's Play de Batman en complet. Donc il y a ça. Moi, je vais faire une petite vidéo en jeu. Ouais. Une vidéo Warhammer. Une vidéo Warhammer. On va vous montrer un peu. De quoi on vous parlait dans la revue de presse des Warhammer, qu'est-ce que la maquette Warhammer Comment les Space Marines défoncent les orques? Je crois pas, parce qu'on est supérieur en nombre maintenant. Oui, ah bah écoutez, monsieur. J'ai un robot, monsieur. Mais moi j'ai un robot aussi. On vous montrera ça, donc il y a des petits ajouts, on va essayer de vous montrer un petit peu l'univers dans lequel on évolue. On n'est pas que sur le jeu vidéo, on est aussi sur d'autres univers geeks, donc voilà. Il y aura une fake news qui va nous arriver bientôt. Je vais peut-être faire un petit point aussi sur Rainbow Six Siege, parce que la deuxième saison va se lancer. Il y aura peut-être un point article et un point vidéo. La suite des revues de presse. La suite des revues de presse encore et toujours. Le podcast de la fin du mois prochain. Donc avec quoi comme jeu? Moi je sais que ça sera For Honor. Bon, je vais me laisser tenter par For Honor. On va faire un versus, voilà. On va vous faire un test à deux. Comar, t'avais des jeux en vue toi? Resident Evil avec Resident Evil, pardon, certainement. Avec Guigui, ouais, voilà, en lien, en duo. On peut se faire un duo. En VR et Comar, tu vas se faire en VR aussi? Peut-être, mais sinon je prendrais peut-être un autre petit jeu en VR. En plus à côté. Un petit. Bon, écoute, voilà. Histoire de. On a encore du temps devant nous. Ouais. Donc voilà, écoutez, on vous remercie. On remercie Gameblog de nous avoir mis en une sur la vidéo. On a une star ici. Unboxing de la manette Nacon. Ouais. Qui a fait 2700 vues à peu près sur Gameblog et qui nous a propulsé aussi sur YouTube. Donc on remercie Gameblog qu'on suit beaucoup, nous sur lequel on se apprécie beaucoup, hein. On apprécie beaucoup regarder leurs vidéos. On trouve que c'est pour nous c'était l'endroit où je préfère regarder. Ouais. Je trouve que ça c'est celui qui m'apporte le plus de contenu. Moi c'est celui qui m'apporte le plus de savoir sur le jeu vidéo. Donc voilà, on les remercie de nous soutenir à chaque fois. C'est pas la première fois qu'ils nous font ça. On est dans le top, donc ça fait plaisir aussi pour nous parce que c'est un encouragement. Total. Donc voilà, et puis on vous remercie, on est passé à 127 abonnés. Ouais. Et moi je voudrais remercier aussi mon collègue Yomi qui fait quand même tous les qui nous fait tous les montages, qui passe beaucoup de temps dessus. Qui bosse quand même énormément sur tout ce qui est les vidéos parce que clairement c'est toi qui fais tous les montages actuellement. Donc ouais, merci Guigui. Tu t'as quand même. Je pensais que vous allez aller voir. Non. Qui c'est qui m'achète The Last Guardian, les gars? Personne, je n'obé. Donc voilà, écoutez, on a tout dit. Mais on est bien. Ah si, abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez. Partagez, recommandez. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Voilà, lisez la fake news qui est des plus. Nous, on la découvre presque en même temps que vous. Je la découvre aussi à chaque fois. Il a découvert généralement un tout petit peu plus tôt parce que généralement il me l'envoie à des heures un peu bâtardes, genre vers 5 heures parce qu'il sait que je suis levé. Voilà. Et au moment où lui il se couche, à mon avis, non, même pas. C'est ça. Hein. Je suis au milieu de ma journée. Et voilà, il est au milieu de ta journée. Moi je commence la mienne, donc généralement il me demande de les publier pour vous. Donc c'est un format qui est proposé et qui est, moi je trouve, qu'il est des plus intéressants et des plus marrants à lire. C'est l'une des plus drôles. Donc voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures Master Geek. Ouais, à la prochaine. Poutou et Loustique. Ciao.